Il se cache. Bonsoir à tous, je vais vous appeler. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous des mardis de l'espace des sciences dans ce bel auditorium hubercurien des champs libres. Alors, Le rayon extraordinaire, c'est le titre d'une exposition qui vient d'être créée et mise en place dans la salle Anita Conti des champs libres. Et je vous engage vivement, vraiment vivement, à aller la voir. Elle est née de la collaboration de deux artistes, d'un scientifique et aussi d'un musicien. Et je vais les appeler pour vous les présenter avant de discuter avec notre scientifique Julien Fade, qui va nous donner une belle conférence dans un instant. Alors, Flavien Théry et Fred Murie. Voilà, les voilà. Ce sont les deux artistes qui ont travaillé avec Julien Fade. Et puis, on va demander aussi quand même à Thomas Poli, qui a composé l'univers sonore de cette création, de venir nous rejoindre. Je vois que vous n'avez pas de micro. Alors, je vais quand même vous en donner un. Voilà, voilà. L'un de vous le prend, si vous voulez bien. Voilà, c'est donc le fruit d'un travail réalisé avec un scientifique. Je crois que la rencontre s'est faite, si je ne m'abuse, en 2015, qui était l'année internationale de la lumière, c'est ça ? Vous vous êtes rencontrés les uns et les autres. Bon, il va parler beaucoup tout à l'heure, alors vous pouvez parler. Hein. Vous êtes rencontrés les uns et les autres à cette occasion. Et assez vite est née cette idée de travailler ensemble. Je vais quand même vous présenter Flavien Théry. Vous êtes diplômé de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Et Fred Murie, vous avez suivi un parcours scientifique. Vous avez fait de la physique, je crois. Et puis finalement, vous êtes dit artiste, c'est mieux. Oui. C'est un petit peu ça. Hein, voilà. Et puis vous êtes devenu artiste. Mais vous, l'un et l'autre, j'ai l'impression, vous êtes de grands curieux des sciences, l'art optique et cinétique, les expérimentations numériques. Et je crois déjà la polarisation pour Flavien. Oui, alors c'est ce qui a amené à la rencontre avec Julien en 2015, c'était de s'apercevoir qu'en fait on était sur des domaines alors de recherche scientifique d'un côté et de recherche plus plastique de l'autre, sur des recherches qui avaient des points communs, et notamment sur la question de l'utilisation de la polarisation de la lumière. Et il nous aura fallu quelques années avant de trouver le contexte qui nous a permis de travailler ensemble et donc de présenter cette exposition qui est tout juste inauguré, et dont je pense Julien vous parlera aussi en partie dans sa conférence. Qui va rester en place jusqu'au mois de mars. Alors, donc, vous, Thomas Poli, vous êtes venu rejoindre cette fine équipe et vous imprégner de leur travail avant de créer cet univers sonore. Vous êtes musicien, vous travaillez beaucoup en électronique, comment est-ce qu'on dit ça ? Oui, musique électronique personnellement, après plutôt musique rock et chansons par ailleurs, en accompagnant d'autres artistes. Comme là, Dominique A, pour lequel j'ai une grande admiration. Entre autres, oui. Et la rencontre avec Flavien et Fred, avec Flavien d'abord, s'est faite il y a plusieurs années, en 2016 je crois, et on a déjà collaboré avec un premier album solo que j'avais sorti de musique électronique où il avait réalisé la pochette, et ça semblait assez naturel de continuer, et le souhait en fait des artistes était d'avoir une exposition assez immersive. Je crois que l'obscurité en fait partie et du coup que le son en fait partie aussi, et là je suis intervenu pour composer et livrer une pièce. Un album. Un album. L'album est sorti ? L'album est sorti. On a reçu les vinyles aujourd'hui même. Oh, voilà. Donc c'est tout à fait récent. Voilà. Voilà, bravo. Merci. On va donner juste encore un tout petit peu le micro à Fred, peut-être. Donc vous avez travaillé tous ensemble avec Julien. Vous vous êtes immergés même dans un laboratoire. Vous êtes des sortes de chercheurs, vous aussi ?
Oui, c'est sûr qu'on recherche quelque chose différemment que Julien, mais c'est vrai qu'on a eu vraiment plaisir à collaborer avec Julien au sein de son laboratoire. Ils nous ont accueillis à l'Institut Photon, à l'Université Rennes 1. Et c'est vrai que ça nous a permis d'explorer plein de pistes de recherche pendant une année complète au sein de son laboratoire. Et depuis, ben, on a pu réaliser voilà, une vingtaine d'œuvres qui composent l'exposition. Et juste pour dire un mot de l'exposition, mais allez la voir. Alors, pour les internautes qui sont avec nous ce soir et qui habitent parfois assez loin de Rennes, parce qu'il y a des gens qui nous suivent de très très loin, on mettra un petit lien sur la retransmission de notre conférence de ce soir pour vous permettre de voir sur Vimeo une sorte de visite virtuelle un petit peu de l'exposition. Ça, c'est important. Ce que j'aime bien, c'est en fait, vous avez essayé tous les deux de donner à voir, et ça, il va nous expliquer ça tout à l'heure, Julien, donner à voir des choses qui ne sont pas absolument visibles pour nous autres, pour nos yeux humains, pour notre vision humaine, si j'ose dire. Ben oui, c'est une des caractéristiques de la polarisation, c'est qu'elle n'est pas perceptible. Et nous, pour certains animaux. Oui, mais pour l'œil humain, en tout cas, ça, il ne l'est pas. Et c'est vrai que ça a été pour nous voilà, une préoccupation de donner à voir cet invisible et aussi de donner, enfin, comment dire, de l'utiliser comme une manière d'emmener les spectateurs vers un imaginaire qui est à la portée, qui nous entoure, en fait, qui fait partie de la réalité. Voilà, vous la découvrirez. Merci. Alors, on laisse la place aux scientifiques ce soir, hein, voilà, pour les mardis de l'espace des sciences. Non, on va poser le micro là-bas. On vous retrouve, vous allez aller dans la salle. Si jamais vous aviez des questions à leur poser, hein, bien sûr, vous n'hésiterez pas. Moi, je vais demander à Julien d'aller s'asseoir sur son fauteuil. Merci à vous trois. Merci à Yves-Marie Guivarch aussi, qui est responsable de cette salle d'exposition des Champs Libres, la salle Anita Conti, pour vraiment cette belle réalisation. Vraiment, l'exposition est magnifique, originale. Alors Julien Fade, vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut Fresnel de la Centrale Méditerranée à Marseille. On dit Centrale Méditerranée, maintenant c'est récent, non? C'était Centrale Marseille avant? Oui, c'est tout récent. L'école est en train, donc c'est une école ingénieur du groupe des écoles centrales et qui s'appelait École Centrale Marseille jusqu'à il y a très très peu de temps, début septembre, puisque là l'école est en train de s'étendre sur un campus à Nice et donc pour prendre une dimension méditerranéenne. Alors vous y êtes depuis septembre 2021, mais pour parler de votre itinéraire, on va dire agrégation de physique en 2004, vous travaillez ensuite une thèse en imagerie polarimétrique et imagerie quantique entre 2006 et 2009 à l'Institut Fresnel de Marseille, déjà. Déjà, oui. Hein. Ça se trouve du côté de Saint-Jérôme, c'est ça? C'est ça, dans les quartiers dans nord. Les quartiers nord, hein. Vous faites votre post-doctorat à l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, l'ONERA, à Palaiseau. Vous y travaillez sur... le traitement de l'information pour la spectroscopie optique atmosphérique. Je l'ai bien descendu. C'est ça, oui. C'est ça. J'ose dire. Vous êtes ensuite recruté à l'Université de Rennes en 2010 par le CNRS. Une chaire CNRS pendant 5 ans. Et puis ensuite, vous avez contribué à la création d'une activité de recherche en imagerie avancée au sein de l'IPR, l'Institut de physique de Rennes, qui deviendra l'Institut Photon en 2017, c'est ça? Ah, c'est ça. Alors, le département optique de l'IPR, l'Institut de physique, a rejoint le laboratoire Photon pour créer en 2017 l'Institut Photon, qui est maintenant le plus gros laboratoire d'optique de Bretagne, qui a deux équipes à Rennes, une équipe à Lannion. Voilà. Et je me souviens qu'on avait déjà collaboré ensemble en 2015, justement, l'année internationale de la lumière, parce que vous étiez le référent à l'époque. Une collègue de Maud Guézot, qui est aussi pas mal active dans la vulgarisation, on était tous les deux, on coordonnait les activités sur Rennes, sur le secteur de Rennes, de l'année internationale de la lumière. Donc il y avait eu pas mal de conférences, deux ici, deux au Diapason au moins. Il y avait eu, si les gens s'en rappellent, des illuminations monumentales du Parlement de Bretagne pendant deux ans, c'est vrai. Sur justement le thème d'une conférence d'optique. Donc c'était Benoît Quérault et son équipe de spectaculaires, animeurs d'images, qui avaient illuminé le Parlement avec des différents tableaux sur la lumière.
Et puis, je crois, juste pour parler de vos activités actuelles à Marseille, je crois qu'ils vous ont accueilli les bras ouverts, avec plein de responsabilités. Lesquelles ? Là, je contribue à faire tourner un master international de bio-ingénierie, enfin une filière, une option bio-ingénierie, et ainsi que la filière d'enseignement en bio-ingénierie de l'école centrale. Donc, il y a de l'optique, mais pas que. Et puis sinon, donc, je suis chercheur maintenant à l'Institut Fresnel, qui est un des plus gros labos d'optique, du moins dans le Sud, hein. Il y a environ 200 personnes. Et je suis dans une équipe d'imagerie pour la biologie. Imagerie et diagnostic optique pour la bio, avec notamment de la polarisation et des milieux diffusants. On en parlera un tout petit peu tout à l'heure. Alors, vous nous avez préparé ce soir une belle conférence qui s'intitule « Rayon extraordinaire à ses applications modernes ». Vous avez préparé des manips aussi à nous montrer. Vous allez jongler entre tout ça. Essayer. Quelqu'un a dit « Ah, il va jouer à Garcimore ». Oui, c'est un petit peu ça, sauf que Garcimore est raté de tout. Vous allez tout réussir, bien sûr, Julia. On verra. Je crois que vous allez passer une très, très bonne soirée. Vous allez voir qu'on apprend plein de choses. Merci à Julien Fatt d'être venu de Marseille à Rennes. Merci à vous pour l'invitation. Pour nous retrouver. À tout de suite pour les questions. Merci. Merci beaucoup. Donc c'était très honoré déjà d'être ici dans cet amphi qui a reçu des grands scientifiques. Je me sens un peu petit. Mais aussi un petit peu, c'était un grand défi parce que je ne voulais pas faire un cours de physique tel que je ferais à mes étudiants. Je ne voulais pas vous faire une conf scientifique telle que je fais à des collègues. Je ne voulais pas vous faire un catalogue de l'expo qui est à côté, que vous irez voir si vous le souhaitez. Je voulais vous faire des manips, des petites démos, parce que c'est visuel, la polarisation, même si c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un phénomène qui ne se voit pas. Donc il y a toujours aussi un défi de vous faire comprendre et de vous faire voir un phénomène qu'on ne voit pas à l'œil nu. On va essayer. Donc l'idée de cette conf, c'est ça, de vous parler de ce phénomène qui est assez fascinant, qui a fasciné beaucoup de scientifiques, beaucoup d'artistes, et vous allez voir qui irradie dans plein de domaines très importants des sciences, hein, et même historiquement. Donc on va commencer par se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette polarisation ? On va essayer d'en donner une définition, donc ça va être le parti un peu cours de physique, et puis après on verra des applications. Donc déjà, la polarisation, ça parle de lumière. Et puis dès qu'on dit lumière, en fait, la lumière, c'est quoi ? C'est un tout petit bout qu'on voit avec nos yeux de ce qu'on appelle le spectre visible. C'est un tout petit bout des ondes électromagnétiques qui courent des ondes radio jusqu'aux ondes rayons gamma, rayons X. Et donc, dans ce domaine de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, nous, on voit un tout petit bout qui est le visible. Alors, par extension, en optique, hein, les opticiens, on manipule aussi l'infrarouge, l'UV. Voilà, donc en gros, de l'infrarouge à l'UV, en passant par le visible, tout ça, ça va être de l'optique. Alors, tout de suite, on va passer sur une première manip. Donc, quand on parle d'optique, alors on a des sources de lumière. Donc, normalement, vous allez voir, voilà, on a le petit plan de travail. Vous voyez que j'ai amené plein de bazar. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux ? Alors, on voit la direction des rayons lumineux, ce qui vous permet de former des images sur votre rétine. Vous voyez la forme de ma main. On voit l'intensité de la lumière, est-ce que ça brille, est-ce que ça ne brille pas. Bon, on voit un peu de couleur, ça on est capable de le faire. Et puis il y a d'autres choses dans la lumière qu'on ne voit pas. Alors comment on peut mettre en évidence ces choses ? Si je prends une source de lumière telle que celle-ci, je prends un objet un petit peu absorbant, okay, vous voyez qu'on a moins de lumière, j'en mets un deuxième, on a un peu moins de lumière encore. Puis si je multiplie les couches, j'absorbe de plus en plus. Et si je tourne ce truc-là, il ne se passe rien de spécial. Je prends une autre source de lumière qui est celle-ci, l'écran de cette télé modifiée, on en parlera plus tard, hein, comment elle est modifiée, mais voilà, pareil, même phénomène, il ne se passe rien de très excitant. Ok. Alors après, je peux prendre d'autres objets, comme cet objet-là, je vous dirai ce que c'est juste après, je le mets devant cette source de lumière, bon, ça absorbe, on a moins de lumière, très bien. Ok, vous êtes venus pour rien, bon. Alors, sauf que quand je prends certaines lumières et certains objets, il se passe des trucs. Regardez, là, je me retrouve avec quand même un objet qui, ici, n'est pas absorbant, mais ça ne dépend pas de son sens, alors que là, vous voyez que je vais être capable de laisser passer la lumière, voire de l'éteindre complètement. Alors, ça veut dire que la lumière, c'est un petit peu plus compliqué que des simples rayons ou des petits grains qui se propagent vers nous. Et une fois que j'ai, en plus, une fois que j'ai fait ça, regardez, une fois que j'ai laissé passer la lumière à travers ce truc-là, même cette lumière-là qui était, on va dire normal, et bien là, une fois que je suis passé dans cet objet-là,
Ça y est, je suis à nouveau capable d'éteindre, d'allumer. Donc, il se passe des trucs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il se passe que quand on essaye de dessiner la lumière, c'est pas simple. Quand on est prof, premier truc, on fait un trait. On dit la lumière va en ligne droite. Très bien. Alors, un peu plus tard, les physiciens, ils ont dit on va faire une ligne droite, mais avec un petit zigouigoui, une petite queue, comme ça. Alors ça, bah, pour les physiciens, c'est un photon. Ça veut dire un grain de lumière. Alors, pourquoi on a fait une petite ondulation ? Bah, parce qu'entre-temps, l'histoire des sciences, les physiciens se sont dit il y a eu tout l'établissement du modèle ondulatoire de la lumière. Donc, la lumière, c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire c'est ce truc-là. C'est-à-dire un objet physique qui est le couple de deux, on appelle ça des champs, deux champs, un champ électrique qui est ce champ E là, en bleu, et puis un champ magnétique B qui sont attachés l'un à l'autre et qui vibrent, vous voyez, qui oscillent dans le temps et dans l'espace en se propageant. Ils sont attachés, on ne peut pas les détacher comme ça. Pour avoir un photon, il faut, ou une onde optique, il faut ces deux champs-là. Alors ça, ben voilà, ça explique, ce modèle-là, ça explique toute la théorie ondulatoire de la lumière, les fameuses expériences, vous avez sans doute entendu parler des fentes d'Young, des interférences, qui s'expliquent très très bien avec ce modèle d'onde. Le petit photon en bas, ben, c'est une vision corpusculaire, c'est-à-dire on va envoyer des grains de lumière dans ces fentes, et alors vous savez qu'il y a un peu une contradiction entre les deux. En réalité, quand vous lisez les physiciens quantiques, vous écoutez la révolution quantique de début du XXe, ben on nous dit, ben en fait, c'est les deux. Un photon, enfin la lumière, c'est à la fois des ondes, à la fois des particules. Donc je vous invite à réécouter les confs de Julien Bobrov qui était là il y a 15 jours, ou à revenir à la prochaine, j'aurai pas le temps d'aller dans les détails, mais en gros, ça c'est inspiré des travaux de l'équipe de Julien Bobrov, voilà, une tentative de représentation d'une onde corpuscule en même temps, les deux en même temps. Voilà, c'est compliqué, on n'arrive pas à se le figurer. Mais voilà, la lumière, c'est un peu plus compliqué que tout ça. Alors nous, on va rester, je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai pas le temps, mais nous, on va rester sur cette vision ondulatoire. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ma petite lumière, cette petite lumière qui était somme toute normale, c'est ce qu'on appelle la lumière dépolarisée, c'est-à-dire que le champ E, là, dont on parlait, ce champ électrique, il oscille dans toutes les directions à la fois, un peu mélangé. Et puis, quand je l'ai passé à travers cet objet qui était un filtre, on appelle ça un filtre polarisant, un polariseur, eh bien, c'est un objet qui a pour propriété de forcer le champ électrique à vibrer dans une seule direction. Et là, je l'ai forcé à vibrer dans mon dessin, là, en direction verticale. Donc, on commence à comprendre qu'une fois que je l'ai forcé à vibrer dans une direction verticale, ben, ce qui va se passer pour lui va dépendre de l'orientation de mon champ par rapport aux objets qui va se passer quand ces objets ont des effets de polarisation. Alors, le cas le plus général, hein, je ne vais pas vous faire le cours, ça c'est ce que je ferai à mes étudiants en quelques dizaines de minutes, mais... le cours est le suivant, c'est qu'en réalité, c'est plus compliqué que ce simple cas-là. On peut faire des trucs plus compliqués. Ce n'est pas toujours une seule direction de vibration. Ça peut être une trajectoire, un peu plus compliquée qu'une ligne dans l'espace et dans le temps. Ça peut être, dans le cas général, une spirale. Une ellipse, excusez-moi. Une ellipse qui se déplace un peu en mouvement spiralaire. Et pour la décrire, en réalité, eh bien, on peut décomposer le champ électrique E en deux parties, deux composantes du champ orthogonales. Et en réalité, c'est le jeu entre ces deux composantes qui va faire que, vous voyez, ma polarisation, qui est ici, là, en vert, vous voyez, eh bien, c'est une polarisation rectiligne, on dit, mon champ oscille selon une droite, et je peux la faire incliner en changeant l'épaisseur relative, la puissance relative de mes deux champs. Et puis, en déphasant, vous voyez, je recule une onde par rapport à l'autre, dans le temps, eh bien, je vais donner de l'ellipticité, on dit, à mon champ. C'est-à-dire que je vais pouvoir le rendre plus ou moins circulaire, cette trajectoire va devenir plus ou moins circulaire. Et donc je peux la rendre même carrément circulaire. Alors après, il y a une autre propriété de la polarisation, qui est ce que je suis en train de manipuler là. Alors c'est enregistré, donc je peux pas. Je vais faire une pause quand même, parce que ça va trop vite. Cette propriété-là, c'est de jouer sur le degré de polarisation. C'est-à-dire que ma lumière, elle peut être ordonnée, vous voyez, elle a une trajectoire qui s'entretient dans le temps, mais je peux mettre du désordre. Il y a des phénomènes physiques qui mettent du désordre là-dedans. Et donc vous voyez que j'ai plus tout à fait une belle ellipse bien pure, mais j'ai un truc un peu bruité, voilà, qui a quand même une forme elliptique, mais ça ne se répète pas tout à fait toujours pareil d'une ellipse à l'autre. Et le cas extrême, bah, c'est je peux faire des états complètement dépolarisés, où là, j'ai plus du tout d'orientation préférentielle, c'est ce qui sort de cet objet-là. Là, je n'ai pas d'orientation préférentielle, c'est ce qui sort de la plupart des éclairages qui sont autour de nous. Voilà, donc ça, c'était pour ma partie cours de physique, donc retenez ça. Pour décrire la polarisation, il y a en gros une direction de l'ellipse. Vous voyez, je peux l'incliner dans un sens ou dans l'autre. C'est ce que je faisais en inclinant cet objet. Et puis, je peux avoir plus ou moins de désordre dans ma polarisation, c'est-à-dire une trajectoire qui est très déterministe, très régulière, ou bien avec du désordre au cours du temps.
On peut faire une petite expérience. Premièrement, je vais essayer de vous faire... Alors, je vais mettre comme ça. Ici, vous voyez cet objet que j'ai mis là, me permet de créer normalement une lumière polarisée circulairement. C'est-à-dire que ça décrit un cercle. Et donc maintenant, si je mets un polariseur comme ceci, vous voyez que je ne suis plus capable d'éteindre parce que dans toutes les directions, en fait, je suis en train d'intercepter cette trajectoire circulaire. Donc, en gros, quelle que soit la position de ce filtre, j'ai la même intensité, ou quasiment, vous voyez ? Très différent de ce qui se passe là, où j'arrive à éteindre et allumer complètement. Et puis, je peux faire de la lumière dépolarisée en utilisant un papier calque qui est là. Donc, mon écran, en réalité, émet de la lumière polarisée, on l'a vu. Et puis, quand je passe un papier calque devant, eh bien, vous voyez que là, j'ai perdu cet effet particulier. Mon objet n'a pas changé, ça reste un polariseur, hein, mais le fait de passer dans un milieu diffusant, aléatoire, va mettre du désordre, voilà. Et du coup, j'ai récupéré une lumière totalement dépolarisée. D'accord ? Voilà, c'est cette manip-là que l'on vient de faire, c'est-à-dire, j'avais une lumière polarisée qui sortait de mon écran, et puis, je suis passé dans mon papier calque, et j'ai mis du désordre, et j'ai quelque chose de dépolarisé à la sortie. Ok, alors... Avant de continuer la conférence, j'ai été prélevé dans une base de données qui a été faite par des chercheurs du Japon. Ils ont pris des images, toute une base de données d'images, couleurs, là vous reconnaissez des objets familiers, et puis ils ont fait de l'imagerie polarimétrique. Alors on verra plus tard ce que c'est l'imagerie polarimétrique, comment on le fait, mais je voulais déjà vous donner à voir qu'est-ce qu'on y voit. Alors qu'est-ce qui se passe quand on prend ces objets et qu'on regarde sur l'image que je viens de vous afficher, c'est le taux de polarisation. Est-ce que la lumière est très polarisée? À ce moment-là, je fais briller le pixel. Est-ce qu'elle n'est pas polarisée et je ne fais pas briller le pixel? Qu'est-ce qu'on voit? Bon, pas grand-chose. Ce n'est pas absolument fascinant. Et là, en bas, le bandeau du bas, c'est l'angle de polarisation, c'est-à-dire l'angle de mon ellipse. Qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas fou non plus. On commence à voir des choses un peu sur la pomme et sur le Rubik's Cube, là. Alors, d'autres exemples. Alors là, on va voir des choses, parce que vous voyez, l'écran de ce téléphone est polarisé. Donc on va commencer à voir très nettement un signal ici, en degré de polarisation, en taux de polarisation. La lumière qui est émise est brillante, elle est polarisée. On voit que sur les reflets, ça c'est une espèce de sorte de vase, de bouilloire en métal, on voit que sur les reflets, il y a de la polarisation qui se crée. Et on voit que sur des papiers cellophane aussi, il se passe des choses. Et puis sur les angles, là c'est intéressant, on commence à voir très clairement des choses sur l'écran. Et puis très clairement aussi... Vous voyez que en fonction de la direction dans laquelle se reflète la lumière, je vais avoir une information sur l'angle. Ok, alors c'est pas mal, c'est pas fou non plus. Qu'est-ce qui se passe quand on va dehors? Alors dehors, vous voyez, c'était des journées où il y avait un peu de ciel couvert. Alors en degré de polarisation, pareil, c'est... Bon, en plus le contraste sur l'écran n'est pas fou, donc c'est pas inoubliable. Hein. On voit un peu des choses dans le ciel notamment dans les endroits où il y a du ciel bleu. Puis sur l'angle aussi, on voit des choses qui commencent à se passer au niveau du ciel. Alors tout ça pour vous dire quoi? La polar, c'est décevant, on peut arrêter. Non, on peut faire des choses mieux. Mais ça explique sans doute pourquoi nos yeux, hein, les yeux des animaux terrestres, la plupart, ne se sont pas développés pour voir ce contraste. Parce que dans la vie qui nous entoure, il n'y a pas énormément d'informations à gagner. On va voir comment on peut en gagner, mais directement, c'est pas ça. Alors, une grande application qui est sans doute connue, que vous connaissez sans doute, c'est la polarisation des reflets. Vous voyez ici un paysage de lac de montagne avec des reflets très nets ici à gauche, et puis à droite, c'est la même photo, mais prise à travers un filtre polarisant tel que celui-ci. Et s'il est bien orienté, on coupe tous les reflets. Pourquoi ? Parce que la lumière, en se réfléchissant sur des surfaces, va acquérir de la polarisation. Le fait de se réfléchir donne de la polarisation à la lumière, polarisation linéaire, horizontale. Et si je mets devant mes verres de lunettes des polariseurs verticaux, ce qui a été fait sur l'image de droite, je vais être capable de couper ces reflets. Donc ça, grosse application pour les pêcheurs, en nautisme. Ça permet de voir les récifs, de voir les poissons, etc. Un détournement de cet effet était connu par Flavien depuis longtemps, donc Flavien Théry, qui utilise aussi cet effet-là, notamment aussi dans l'expo, pour révéler des choses au niveau du reflet. Il se passe un effet de polarisation qui révèle des choses. Et donc la grosse application, comme je vous disais, c'est ces lunettes. Alors, cette personne est très importante dans mon histoire, parce que il s'appelle Land, Monsieur Land, qui invente comment fabriquer ces polariseurs peu chers, qu'on appellera Polaroid, des films Polaroid, le nom est resté. C'est des polymères, c'est des films de polymères étirés, et en les étirant, ça les rend très absorbants dans une direction, et ça donne un effet de polarisant. Donc ça fait un sélectionneur de direction
de vibration de la lumière. Et donc cette personne invente, début du XXe, ses films de façon industrielle et pas chère. Voilà les pubs à l'époque. Et puis voilà, tout de suite, l'idée vient d'une utilisation commerciale pour faire, par exemple, en croisant deux polariseurs, on pourrait régler devant ses lunettes, et bien on a un atténuateur variable, on a des lunettes de soleil variables. Voilà. Alors cette personne est surtout connue pour cette marque, parce que le mot Polaroid, c'est l'émulsion instantanée, vous savez, de photographies instantanées qui se révèlent à l'air libre. Ben c'est la même personne, c'est M. Land là, qui l'a inventé, et qui avait fondé cette marque Polaroid, et le nom est resté jusqu'à maintenant, plus connu pour la partie émulsion instantanée. Alors, dans quelle autre situation vous avez de la polarisation dans votre environnement ? Ben, dans le ciel bleu. Si vous regardez le ciel bleu à travers un polariseur, tel que ceci-là, ben, c'est ce qui a été fait sur cette photo, vous voyez que vous êtes capable d'atténuer, d'assombrir le ciel. C'est beaucoup utilisé en photographie aussi, pour donner des beaux paysages de ciel profond. Alors, si je voulais me lancer dans l'explication, il me faudrait environ 2 bonnes heures et quelques dizaines d'heures de rappel d'électromag. On ne va pas le faire, je vais juste essayer de vous dire qu'est-ce qui se passe, c'est quand la lumière du soleil donc, interagit avec les particules et les molécules de l'air, notre atmosphère, eh bien elles vont venir interagir, la lumière va venir se coupler avec les électrons notamment qui sont autour de toutes ces molécules, tous ces atomes, toutes ces particules, et en se couplant elles vont les mettre en mouvement, et quand on met en mouvement des charges, comme des électrons, ben, ça rayonne, c'est-à-dire ça, les électrons vont eux-mêmes, cette mise en mouvement va rayonner une lumière aussi. Et ce rayonnement, bah c'est ce que vous voyez ici sur cette petite animation, que je relance un coup, ce rayonnement est assez anisotrope. Ça veut dire qu'il y a des endroits, vous voyez, vers le bas notamment, ça a une forme de donut, là, et vers le bas, ça ne rayonne pas, et ça rayonne beaucoup sur les côtés. Et donc cet effet-là fait que, alors c'est un gros raccourci, mais cet effet-là fait que, par rapport à la position du soleil, eh bien, le ciel bleu, dans lequel vous avez cet effet de ce qu'on appelle la diffusion Rayleigh, diffusion sur des toutes petites particules, beaucoup plus petites que la longueur d'onde, eh bien, la polarisation du ciel, le ciel pardon, prend une polarisation linéaire qui dépend. Ça marche très bien si vous avez, voilà, si vous récupérez des lunettes polarisantes. Vous essayez à 90 degrés du soleil, si le soleil est là, vous regardez par là et vous aurez un très beau contraste de polarisation. Voilà, ça c'est ce qui a pu être mesuré. On a très clairement aussi un angle azimutal, vous voyez, qui dépend de la position par rapport au soleil. Alors bon, ça ne nous sert pas non plus, à part en photo, mais ça sert à ces demoiselles les abeilles. Et c'est prouvé qu'elles ont une vision polarimétrique et qu'elles se serviraient, elles se servent de la polarisation du ciel pour s'orienter, pour s'aider à s'orienter. Donc voilà, autour de nous, finalement, il y a quelques sources de lumière polarisée. Autre exemple sur la lumière d'un arc-en-ciel. Alors vous voyez que dès qu'il y a des nuages, de la brume, ça ne marche plus. Hein, la brume, c'est comme mon papier calque, c'est très diffusant, ça mélange tout, il n'y a plus de polarisation, mais ce qui se passe dans la double réfraction dans les gouttelettes d'arc-en-ciel, vous voyez que c'est très nettement polarisé tangentiellement à l'arc-en-ciel. Vous voyez, ici, on a un très fort signal quand on analyse l'image à travers un polariseur placé dans l'axe de l'arc-en-ciel, alors que quand on est en train d'analyser dans une direction perpendiculaire à la direction de l'arc-en-ciel, on n'a plus rien. Voilà, donc ça, c'était la petite introduction sur le phénomène de polarisation. Et maintenant, on va faire un retour historique sur... et puis ça me permet d'illustrer des objets de l'exposition, retour historique sur cette découverte de ce phénomène et ce qu'on appelle ce fameux rayon extraordinaire qui donne le nom à l'exposition. Alors là, je suis obligé de faire un petit rappel à nouveau de physique. Donc vous savez que quand on propage de la lumière dans un milieu homogène, elle va tout droit, mais quand elle rencontre des interfaces, la lumière se courbe. C'est ce qu'on appelle la réfraction, vous avez tous expérimenté ça, soit sur des posters bien connus de groupes de musique, soit sur une vitre, enfin bref, ça c'est très connu. Alors, comment ça s'explique ? Bah, c'est une question de vitesse, en fait. C'est une question de vitesse, ça va être presque la seule équation de l'exposition, de la conférence, pardon. C'est la vitesse de la lumière dans le vide, donc dans l'air, c'est quasiment ça, hein. Et dès qu'on rentre dans un matériau qui n'est pas du vide, qui n'est pas de l'air, qui est un peu plus dense, comme ce bloc de verre, eh bien, la lumière est freinée, entre guillemets, parce qu'elle rencontre, à nouveau, elle rencontre de la matière, elle rencontre des atomes, des molécules, des constituants de la matière qui sont chargés, et en rencontrant ces particules chargées, elle interagit avec, ce qui a pour résultat de la freiner, et d'avoir une vitesse de propagation qui est plus petite que la vitesse de la lumière C. Et le rapport de la vitesse de la lumière sur cette vitesse, c'est ce qu'on définit comme étant l'indice de réfraction, qu'on appellera petit n. En optique, on appelle ça l'indice optique ou l'indice de réfraction. Alors, une petite analogie qui vaut ce qu'elle vaut, vous m'excuserez, c'est
pour essayer de faire comprendre, le photon, c'est un homme pressé. Alors voilà un homme pressé qui veut traverser, alors là il est tranquille, il traverse un milieu peu dense, et puis il a envie de rejoindre cet autre milieu peu dense, mais entre les deux, manque de peau, il y a une foule, et cette foule, bah, c'est l'équivalent de mes atomes, qui est très dense, très tassé, là. Et donc ce photon pressé, quand il veut se propager, bah, il est bien obligé de faire des sermins au passage de la foule, donc il va perdre du temps à interagir avec tous ces constituants de la matière, et bah, ça le freine, voilà. Au global, il va moins vite que dans le vide. Hein. Et en fait, on peut montrer que la trajectoire suivie par le photon, ou par ce président pressé, c'est la trajectoire la plus rapide. Il va couper au plus court, en tout cas, il va minimiser son temps de parcours. Bref, voilà comment expliquer en trois mots la réfraction. Alors, la double réfraction, c'est quoi? C'est ce phénomène-là qui survient, qui a été observé en 1668 au Danemark par un médecin qui s'appelait Bartholinus, qui découvre sur des cristaux d'une pierre qu'on appelait le spat d'Islande, qui est en fait un cristal de calcite, carbonate de calcium, qui découvre qu'à travers cet objet, on a deux images. Alors voilà une image du logo de l'école centrale à travers une pierre de ce genre-là. Et vous voyez qu'au lieu d'avoir une image comme à travers un bout de verre classique, j'en ai deux. Et ça, à l'époque, aucune théorie ne peut expliquer ce phénomène. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors, au labo à Marseille, on avait un très très bel exemplaire. Je vais essayer de vous montrer ce qui se passe. Alors, ça va bien marcher, vous voyez. Ici, voilà, il faut que je trouve un endroit où ça marche bien. Voilà, vous voyez le petit logo, là, l'espèce de tête. On devine. Voilà. Alors, vous voyez que selon la position, voilà, j'ai un dédoublement très clair de l'image. Hein. Vous arrivez à la voir, les deux images, là, voilà. En réalité, il n'y a qu'une image. Hein. Si je mets un polariseur normal, vous voyez, il n'y a qu'une image. À travers ce cristal, je crée deux images un peu contrastées. Contrasté dans un sens contraire, et vous voyez que selon l'orientation, je peux en faire apparaître une ou l'autre. Ça vient du fait qu'en réalité, le dédoublement des deux images se fait selon la polarisation. Et d'ailleurs, l'image qui sort, voilà, là on va voir les deux images, est-ce que ça va marcher? L'image qui sort, vous voyez, il y a une des deux images qui est polarisée dans un sens, et l'autre image est polarisée dans l'autre sens. Donc il y a un effet très clair entre polarisation et cet effet de double réfraction, on appelle ça, de double dédoublement de l'image. Alors, pour vous expliquer tout ça, c'est pas facile, et déjà à l'époque, les gens s'arrachaient un peu les cheveux, alors ils avaient beaucoup de cheveux, c'était bien. Donc Bartholinus fait ce genre de dessin, vous voyez à gauche, là, c'est le premier à observer cet effet. Assez vite, Huygens, on verra que c'est Huygens qui a les premières bonnes intuitions, et Huygens se creuse la tête aussi, il fait le même genre de schéma. Et puis Newton aussi, à l'époque, pareil, il ne sait pas y répondre. Il répondait à beaucoup de choses, Newton, mais là, il ne sait pas. Donc, voilà. Alors, Huygens, c'est le premier qui donne les bonnes intuitions. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vraiment, c'est 20 ans après la découverte de ce phénomène. Et c'est le père de la théorie ondulatoire. Et on peut se dire que cette découverte de la double réfraction, ça relance un peu la recherche sur la théorie de la lumière. Alors, je vais essayer d'expliquer en deux mots qu'est-ce qui se passe, de ce qu'on comprend maintenant. En fait, regardez. Ces cristaux-là, on appelle ça des cristaux anisotropes, c'est des cristaux où la matière est organisée, elle cristallise dans une certaine direction, qui n'est pas, dans une certaine configuration, pardon, qui n'est pas isotrope. Ça veut dire que mes photons, ma lumière, quand elle va se propager dans la direction, vous voyez, c'est des espèces de petits plans, une espèce de triangle, tous alignés, tous comme des couches triangulaires, là, voilà, c'est les atomes de carbonate, des ions, pardon, carbonate, qui sont tous un peu stackés comme ça, parallèles les uns aux autres. Eh bien, c'est plus facile, entre guillemets, pour la lumière, pardon, de se coupler dans l'axe des plans que dans l'autre sens. Et donc, ça explique que dans une direction, il serre plus de mains que dans l'autre. Voilà. C'est comme si j'avais une direction où j'ai plus de mains à serrer, donc je vais moins vite, que dans l'autre direction où je peux me propager plus vite. Ce qui donne l'effet de cette double indice de réfraction. Ça veut dire que dans ce genre de cristaux, la lumière, elle a deux vitesses pour se propager. Elle a le choix. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas vraiment le choix, mais elle utilise les deux vitesses. Ce qui crée deux rayons. On peut voir ça voilà, un peu comme un mécanisme de système de ressort où je n'ai pas la même force de résistance dans les deux directions et donc j'ai à la fin pas la même vitesse. Alors, là je me suis dit, à l'époque on mettait sa tête quand on faisait un dessin, alors comme c'est moi qui ai fait ce dessin-là, je me suis demandé si c'était une bonne idée de mettre ma tête. En fait non. On ne va pas le faire. En plus, ça serait très présomptueux, donc voilà, je l'enlève. Voilà comment on dessine ça actuellement. Alors actuellement, on dessine ça en se disant, j'ai un faisceau non polarisé,
de lumière normale, qui va arriver dans ce morceau de cristal, de calcite, comme celui-ci, et qui va se dédoubler, qui va obéir en fait à deux vitesses. Et alors, je n'ai pas du tout le temps de vous expliquer, il faut 20 heures de cours pour le faire, mais pas du tout le temps de vous expliquer pourquoi, mais dans cette configuration-là, non seulement il va y avoir deux vitesses, mais il va y avoir deux directions. Et donc il va y avoir un rayon, un de ceux qu'on a vu tout à l'heure là, sur ma petite manip, il y a un rayon qui va aller tout droit, qui historiquement a été appelé le rayon ordinaire, parce que finalement, somme toute, il va tout droit, il se comporte normal. Et puis l'autre, qui se décale, vous voyez, il y a un petit décalage, et il sort un second rayon. Et ce second rayon a été appelé à l'époque, et c'est resté, on appelle ça toujours comme ça, le rayon extraordinaire. Alors pour comprendre ça, il faut à peu près 150 ans au moins, pour que, là c'est donc M. Fresnel, hein, dont le labo où je suis maintenant porte son nom, Augustin Fresnel, ingénieur et scientifique français, qui met un bon coup final, un bon coup de peinture final à la théorie ondulatoire, et notamment il obtient cette équation, qui va être la deuxième équation de la soirée, et la dernière, une équation un peu plus compliquée que celle d'avant, qui nous donne en fait comment résoudre, comment calculer dans un objet tel que ce cristal, comment calculer les deux vitesses, les deux indices. Ça dépend de la direction dans laquelle on va, ça dépend de la direction dans laquelle est placé mon cristal. Et en fait, si vous regardez, si on s'amuse à tracer la solution de cette équation, somme toute c'est une équation un peu compliquée, mais la solution, c'est une solution en 3D qui a cette forme qui donne, vous avez sans doute vu les affiches, qui donne le visuel de l'exposition, le rayon extraordinaire. Donc en fait, toute cette espèce d'œil là, qui est omniprésent dans l'expo, si vous l'avez déjà vu ou si vous y allez, cette forme-là, elle a fasciné les artistes. Ce n'est pas une forme qui a une existence physique, entre guillemets, c'est une solution mathématique de cette équation de Fresnel, d'accord ? Qui permet de calculer et de prédire ce qui se passe dans ce genre de matériaux. Et donc c'est cet effet-là qu'on exploite sur une des œuvres, où on envoie un faisceau de laser blanc, donc c'est de la lumière laser blanc, en fait c'est trois lasers rouge, vert, bleu combinés comme il faut, avec les polarisations comme il faut, et on a un dédoublement des rayons et une sélection des couleurs, justement parce qu'on a mis les polarisations comme il faut pour que ce soit beau. Voilà une première vue, conception initiale de la pièce que vous voyez maintenant dans l'expo. Alors ça a donné aussi cette espèce d'œil, là, cette forme qu'on appelle la surface des ondes ou la surface des indices de Fresnel. Elle a donné lieu à une sculpture que vous voyez exposée dans l'expo Le Rayon Extraordinaire, qui a été imprimée à l'imprimante 3D au Fab Lab de l'université. Et voilà comment ça s'est fait, oui, en accéléré, en bien accéléré, mais on monte comme ça une pièce d'environ 50 cm de haut, en plusieurs fois, mais... Voilà un petit peu la naissance de cette œuvre. Alors ça, en fait, ça paraît déjà compliqué, mais c'est dans des matériaux assez simples. La calcite, c'est encore assez simple. Il y a des matériaux plus compliqués, qu'on appelle des matériaux biaxes, dans lesquels cette forme, ce n'est pas un espèce d'œil, quand on englobe un autre, c'est une espèce de double coquille qui s'entrecroise, vous voyez, et vous voyez une coupe ici. Alors ça, c'est très, très joli, ce sont des modèles en plâtre. À l'époque, pour l'enseignement, on n'en avait pas des machins 3D qu'on pouvait tourner, donc on crée des objets, mes pères créaient des objets en plâtre démontables pour montrer comment c'était agencé. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on n'a pas du tout le temps, je préférerais vous parler des applications, mais voilà, c'était un bel objet d'enseignement. Alors, en exploitant ce phénomène, qu'est-ce qui se passe dans ces milieux anisotrophes? Il se passe que j'ai deux directions, deux vitesses. Et comme j'ai deux vitesses, vous avez compris que je vais pouvoir retarder un axe de polarisation par rapport à l'autre. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit au tout début, qu'est-ce qui va définir la trajectoire? Est-ce qu'elle est linéaire ou circulaire ou elliptique? C'est justement ce retard. Alors, en jouant convenablement avec le matériau que je vais mettre, je vais pouvoir retarder et changer la polarisation. Et en faisant ça, en venant mettre cet objet entre deux polariseurs, je vais créer des couleurs interférentielles. Quand on éclaire en lumière blanche, on va créer ce genre de couleurs. Donc, ce qui a inspiré beaucoup des pièces de l'expo, et qui est utilisé en minéralogie, ça c'est des tables, des abacs utilisés en minéralogie, où en fonction de l'épaisseur de la lame de minerai qu'on a taillé, et des couleurs qui sont observées, vous avez des abacs qui vous permettent de reconnaître la nature de la roche qui était imagée. Et là, en l'occurrence, sur cette œuvre qui est exposée, ce sont des lames de mica, qui est une roche qui est exposée entre polariseurs croisés. Alors là, quelques petites manips. Alors ça va être les manips normalement les plus jolies, j'espère. Alors la première, je vais vous montrer
Voilà, je vous suis embêté à faire un pliage. Vous reconnaissez un origami d'une grue japonaise, donc éclairée par en dessous en lumière polarisée. Et je vais venir l'analyser avec... Alors, on va se mettre là, ce sera plus joli. Voilà, je vais venir l'analyser, vous voyez, à travers un polariseur croisé. Donc, j'éteins la plupart de l'écran, voilà, j'éteins la transmission. Et voilà, quand je place un objet qu'on appelle biréfringent, c'est-à-dire qui a les propriétés d'anisotropie comme ce cristal, alors ça, c'est du cellophane, vulgaire cellophane, mais qui a ses propriétés. Vous pouvez faire avec des morceaux de scotch aussi, ça marche. Vous voyez qu'on a, en fonction de l'épaisseur traversée, on va créer des couleurs. Donc ça donne des effets assez jolis. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, ici, ça c'est un petit scorpion qui est pris dans de la résine. Et en fait, en se refroidissant, la résine va créer des contraintes. Et on voit ces contraintes, vous voyez, on les révèle parce qu'elles vont créer des anisotropies dans la matière qui donnent ces effets. Autre exemple, sur un morceau de rapporteur... En plastique. Là aussi, dès que vous avez des contraintes, on va venir être capable de voir. Vous voyez, ça donne des effets assez esthétiques, de couleurs qui apparaissent parce que les contraintes qu'il y a dans le matériau donnent ces anisotropies. D'accord ? Et donc, ça, en fait, ça retarde un petit peu les rayons l'un par rapport à l'autre. Ça crée ces transmissions qui dépendent des couleurs. Ok ? Et c'est utilisé pas mal, ça, dans l'industrie pour voir justement des défauts sur des pièces transparentes. Voire des contraintes sur des pièces transparentes. Alors pour être un tout petit peu plus clair, je peux vous montrer ce qui se passe avec... Là, j'ai pris une lame de verre, là c'est du verre, tout ce qu'il y a de plus bête. Et vous voyez que si je prends une lame de verre, bah le verre, c'est pas anisotrope, c'est tout à fait standard. Il ne se passe rien de très amusant. Alors j'ai pris la même lame de verre sur laquelle j'ai placé un morceau de scotch. Alors voilà, hop, j'ai piqué ça à ma fille. Je me suis rendu compte que c'était pratique. T'en as que deux mains. Voilà, alors regardez, là j'ai juste la même lame de verre sur laquelle j'ai collé un bout de scotch. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai rallumé, entre guillemets, j'ai rallumé une transmission de la lumière. Ça c'est intéressant. J'avais polarisé ma lumière avec mon écran comme ça, diagonale. J'ai mis ici un filtre qui vient laisser passer la lumière que comme ça. Et donc, comme ça et comme ça, ça ne passe pas. Je bloque la lumière. Sauf qu'entre les deux, bah, j'ai rajouté cet objet biréfringent qui va changer, qui va faire que la lumière qui était polarisée linéaire va commencer à tourner et donc elle a le droit de passer à travers le second polariseur qui est posé dessus. Donc, j'ouvre une transparence. Ça, c'est intéressant. Alors, si j'en mets deux, deuxième bout de scotch avec du verre, alors, c'est le même scotch, c'est la même épaisseur. Vous voyez, même couleur. Alors, ce qui commence à devenir intéressant, c'est quand je les juxtapose. Et là, on commence à comprendre, on va essayer de comprendre pourquoi il y a des couleurs. Vous voyez que vous le voyez très clairement bleu, là, hein. Je pense que c'est assez visuel. On voit l'interface, là où j'ai deux couches, c'est bleu. Alors, pourquoi c'est bleu? Parce qu'en réalité, pour le bleu, vous voyez que ça va me donner une addition, la lumière bleue va mieux passer en passant deux fois dans les deux couches de scotch. Et tandis que si je suis dans le rouge, on ne voit pas très bien. Si on voit un petit peu, vous voyez, le carré, enfin le rectangle est noir. Là. Pourquoi? Parce que pour ces deux épaisseurs de scotch-là, pour la longueur d'onde rouge, qui est une plus grande longueur d'onde, eh bien, j'avais ma polarisation comme ça, je l'ai fait tourner d'un demi-tour, elle reste comme ça. Et donc elle ne passe pas à travers le second polariseur, tout comme la lumière de mon écran du dessous. Donc pour le bleu, en fait, ça passe, et pour le rouge, j'ai extinction. Donc vous voyez qu'en jouant sur le matériau que je vais mettre, le nombre de couches et la couleur, je vais être capable de créer ces dégradés de couleurs. C'est ça qui, sur des objets plus compliqués, c'est ça qui vous fait tous ces dégradés-là. D'accord ? C'est en extrapolant cet effet, on a l'explication de ces couleurs interférentielles qui apparaissent. Ok, alors, voilà un exemple de ce qu'on appelle de l'élastographie, c'est exactement ce que je vous ai montré, mais sur des objets transparents, vous reconnaissez, on s'est pris avec des beaux polariseurs bien contrastés, ça fait des très belles photos. C'est beaucoup utilisé, alors on peut l'utiliser aussi pour imager, ça donne des très jolies choses, ça c'est quelqu'un, Richard Butler, qui fait des photos magnifiques, il s'amuse à faire cristalliser des différentes substances, là je crois, à me souvenir, c'est de la vitamine C,
la vitamine C qu'il fait sécher, enfin cristalliser, et puis ensuite il image ça entre deux polariseurs croisés, comme ce que j'ai fait ici avec mon écran et mon polariseur. Et vous voyez les couleurs qui apparaissent, c'est des couleurs de polarisation aussi, et en fonction de comment on tourne le polariseur, vous avez différents contrastes qui sortent. On peut même le faire avec de l'eau. Alors si vous faites geler de la glace à température et pression ambiante, enfin, en dessous de 0 degré évidemment, je me suis amusé à faire ça l'an dernier dans mon congèle, donc s'il faut faire geler sur 1 mm ou 2 mm max, eh bien, vous voyez que vous avez des effets de polarisation, de biréfringence dans la glace. L'eau glacée, l'eau gelée, à la pression ambiante, ça donne des effets de polarisation. Alors, bon, c'était pas très joli ce que j'ai fait moi, mais il y a des gens qui sont bien meilleurs. Et ça, c'est aussi de l'eau gelée, avec un dégradé d'épaisseur. Là, c'est très très peu épais, et puis là, on augmente l'épaisseur, et vous voyez que la cristallisation se fait par des secteurs, et chaque secteur a une orientation bien particulière, une épaisseur particulière, et ça fait des images magnifiques. Voilà. Notre exemple en biologie, c'est beaucoup utilisé en microscopie, pour donner des contrastes de microscopie. Alors là, c'est un petit clin d'œil à un animal qui nous est cher, qui est la seiche. Donc ça, c'est des bébés seiches qui ont été prises à l'Université de Chicago. Pareil, dans un microscope dans lequel on a équipé, on éclaire en lumière polarisée, on analyse, et on voit ces couleurs interférentielles qui renseignent sur des anisotropies, des choses qui se passent dans les milieux biologiques. Et ça, c'est un exemple d'art polarimétrique qu'on peut faire avec du scotch. Alors, on peut faire des jolies choses, on peut faire des trucs un peu kitsch des fois aussi. Je suis moins fan que ce que font mes collègues. Ça m'amène à la question des cristaux liquides. Parce que les cristaux liquides, ce qui nous entourent, hein, tous les pixels qui nous entourent, que j'utilise depuis tout à l'heure, vous avez chacun dans la poche ou à la maison, eh ben, c'est basé sur des effets polarimétriques. Tous les affichages à cristaux liquides, tout ce qui est LCD, derrière, c'est de la polarisation. Alors ça vient de la découverte des cristaux liquides, au milieu du 19e, et puis c'est M. Lehmann, là, qu'on voit, qui, dans son labo, s'amuse à observer ces premières matières qu'on a appelées des cristaux liquides, qui est un état très particulier de la matière, qui peut cristalliser, mais qui peut aussi fondre et devenir tout à fait liquide, et il y a une transition de phase qui a excité les physiciens de la physique statistique pendant, et toujours d'ailleurs, pendant des centaines d'années, sans plus de 100 ans maintenant. En tout cas, ça donne, regardez, observé en lumière polarisée, ça donne ces franges-là fascinantes qui sont mobiles, qui se meuvent au fur et à mesure qu'on élève la température. Donc là, il avait déjà conçu un microscope polarisé avec un thermostat pour chauffer très régulièrement cette matière pour atteindre ou dépasser la transition de phase ou redescendre en dessous de la transition de phase, au-delà de laquelle l'objet devient complètement isotrope, comme une flaque d'eau. Et puis quand on refroidit, on atteint des endroits où il se passe ce genre de choses, comme vous voyez ici. Là, ça, c'est des images qui ont été prises à l'Institut de chimie de Rennes par Fred et Flavien et un collègue, Yann Mollard, là, qui ont un microscope de ce genre-là, plus moderne, qui permet d'imager, et vous le voyez dans l'expo, qui permet d'imager ce genre d'effet. Donc vous voyez qu'en jouant avec les cristaux liquides, on peut faire des choses. Alors l'intérêt des cristaux liquides, c'est que ce sont des matériaux composés de molécules assez grosses qui peuvent basculer, qu'on peut piloter spatialement avec un champ électrique. Et un champ électrique, c'est assez facile à créer. Il suffit de mettre une tension, ça on sait bien gérer, c'est de l'électronique. Alors il faut se payer des électrodes transparentes. Donc on met des électrodes de part et d'autre, on met deux polariseurs croisés. Donc normalement on a extinction, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Si je prends deux polariseurs croisés, je ne laisse pas passer de lumière. Mais entre les deux, je mets une petite goutte de cristal liquide. Et puis, de part et d'autre, je mets des électrodes dans lesquelles je vais pouvoir appliquer une tension, un petit voltage. Et en appliquant une tension, regardez ce qui se passe, on peut basculer ces molécules du cristal liquide. Et en les basculant, on va pouvoir, en gros, jouer sur l'effet de polarisation qui se passe. C'est comme si j'avais des matériaux tels que ceux-là, vous avez vu, dont on peut contrôler la transparence un petit peu, mais on pourrait les contrôler en appliquant une tension. Et alors ça, c'est tout de suite fascinant parce qu'on peut faire plein de choses, on peut faire des pixels. Grâce à ça, on fait des pixels, c'est-à-dire on est capable d'allumer une transparence ou d'éteindre une transparence simplement en mettant une tension. Et donc c'est à la base de tous les afficheurs à cristaux liquides qui nous entourent. Un petit exemple, j'avais une petite manip à vous montrer. Il est là. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est un gros pixel. Je le coince. Donc voilà un gros pixel sur lequel je l'éclaire en lumière polarisée. Ici, je vais mettre mon film polarisant. Alors vous voyez que là, il est. Il ne tient pas. Voilà. Vous voyez.
Donc mon pixel est allumé. Et là, je vais me débrouiller pour appliquer une petite tension sur les électrodes. Si mon fil ne s'est pas débranché, ça devrait marcher. Attention, 1, 2, 3. Clac. Là, j'ai éteint mon pixel. J'ai appliqué une petite tension, j'ai basculé les molécules. Mon pixel devient éteint. Alors, je peux le rallumer. Ah, ça y est, il l'a fait tout seul. Je refais un coup. Je mets juste une petite tension. Tac. Ça marche plus. Oui, voilà. Tac, j'ai éteint mon pixel. Donc, voilà comment marchent vos télé, tous vos pixels marchent comme ça. Et donc, ça, c'est une aventure industrielle monstrueuse. Hein. J'ai essayé d'estimer, c'est très difficile, mais j'ai trouvé une estimation, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais quelqu'un a dit, ça pourrait être entre 10 milliards, au moins 10 milliards de milliards de pixels qui ont été créés à base de cristaux liquides dans le monde. Je ne sais pas si c'est du tout réaliste. Le gars a fait une espèce d'estimation, je ne m'avance pas plus que ça. Mais en tout cas, voilà, tout le monde en a dans sa poche, c'est une application, peut-être la principale application de la polarisation autour de nous. Alors, je continue parce que j'ai déjà plus beaucoup de temps. Donc ça donne la naissance à ces effets base d'écran qui sont beaucoup utilisés et exploités dans l'exposition. Et puis là, je voudrais passer un tout petit peu de temps sur la polarisation et la biologie, puisque ça a inspiré plusieurs des œuvres dans l'expo. Alors, première chose, là, vous reconnaissez Louis Pasteur, donc très grand scientifique, chimiste, biologiste, physicien. Et Pasteur, en fait, a eu un lien très étroit avec la polarisation. Alors, il n'est pas le seul, mais c'est un peu lui qui finit par comprendre un effet très important qui est ce qu'on appelle la stéréochimie, c'est-à-dire le fait que vous pouvez créer deux molécules tout à fait identiques. Si vous regardez ces deux molécules-là, c'est du limonène, on appelle ça. Elles sont strictement identiques, à ceci près qu'elles ne sont pas conformées tout à fait pareilles dans l'espace. Comme mes deux mains. Si vous regardez vos deux mains, elles sont identiques, sauf que y en a une droite et une gauche. Et vous ne pouvez pas les superposer. Vous ne pouvez pas superposer votre main avec la main gauche. Vous ne pouvez pas, vous pouvez chercher, ça ne marche pas. Donc vous prenez votre main, vous la mettez devant un miroir, vous chopez la main du miroir, vous essayez de la superposer, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle un objet chiral. C'est la chiralité, c'est le fait qu'on ne peut pas superposer un objet et son image. Et ces deux molécules, c'est ce qu'on appelle du limonène gauche et du limonène droit, ne peuvent pas se superposer l'image de l'autre dans un miroir. Et ça, c'est assez fascinant, c'est que vous les connaissez, ces molécules, parce qu'il y en a une qui plutôt l'odeur du citron et l'autre plutôt l'odeur de l'orange eucalyptus. C'est utilisé en parfumerie. Et c'est fascinant de se dire que c'est la même molécule exactement. Le seul truc qui change, c'est une conformation spatiale. Et bien notre nez est capable de faire la différence. Capable de sentir l'une qui sent plutôt le citron et l'autre plutôt l'eucalyptus. Et ce n'est pas les seuls. Donc Pasteur découvre, notamment en étudiant l'acide tartrique, qui est un acide du vin, il étudie ça. Et il se rend compte que quand on essaye de produire de l'acide tartrique industriellement, eh bien on a un mélange en fait, des deux molécules. Alors que quand on prend de l'acide tartrique biologique, créé par la biologie, créé par la vigne, on n'en a qu'un des seuls mélanges. Et comment on le voit ça? On le voit parce que quand on a des molécules chirales comme ceci, eh bien elles ont un effet d'entraînement de la polarisation. Ça veut dire que si je les éclaire avec une polarisation comme ça, j'éclaire une solution diluée de ce genre d'objet, la polarisation va tourner. C'est ce qu'on appelle de l'activité optique. Alors, ce n'est pas Pasteur qui découvre ça, mais c'est lui qui finit par identifier qu'il y a cet effet de symétrie. C'est parce que quand on les crée industriellement, on crée les deux formes en même temps, alors que la biologie n'en crée qu'une seule. Donc voilà, c'est ça que je vous disais. Vous voyez, si je prends de la lumière non polarisée, je la polarise et je la passe dans une cuve qui contient ce genre de substance, eh bien, ma polarisation va basculer. J'ai une rotation du plan de polarisation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'activité optique et qui est à la base de ces mesures, de ces découvertes de Pasteur. Et c'est très utile en chimie parce que ça permet de doser des solutions, de vérifier la pureté d'une solution, etc. Alors ça, c'était une petite manip que j'ai fait chez moi. Alors vous avez une lumière non polarisée, un polariseur. Devant, je suis en train de balader un autre polariseur. Vous voyez que je peux éteindre ou allumer. Là, vous avez un verre d'eau. Alors l'eau, il ne se passe rien de spécial. Maintenant, le slide d'après, vous avez la même chose, mais sauf qu'à gauche, vous avez du fructose, donc un sucre issu du fruit, et là, du saccharose, un sucre industriel. Et vous allez voir qu'il y en a un qui va me permettre de tourner, qui tourne le plan de polar plutôt à gauche et l'autre plutôt à droite. Un sucre industriel, forme droite, un sucre naturel, forme gauche. Vous voyez, je n'ai plus l'extinction au même endroit. Au milieu, vous avez l'eau comme témoin. Hein. Vous voyez que l'eau va couper la polarisation comme mon polariseur, comme dans l'air. Mais mes deux solutions sucrées vont... La coupure, l'angle d'extinction ne va pas être au même endroit.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'activité optique. Le fait que c'est dans ce verre de gauche et le verre de droite, vous voyez que j'ai fait tourner mes polarisations, pas dans le même sens. Alors ça, ça nous avait donné des idées d'installations qui finalement ne sont pas dans l'expo, mais ça fait des choses très jolies, comme ce genre d'objet de spirale dans du sucre. Là, on peut faire une spirale colorée. Mais malheureusement, on n'a pas pu la mener à bien, mais voilà un peu une illustration de ce qu'on peut faire. Alors une autre propriété fascinante qui regarde la biologie, c'est ces animaux-là. Là aussi, ça aurait pu faire un... L'animation ne se lance pas, si, voilà. Ces animaux-là, ce sont des scarabées particuliers qui ont une propriété assez unique, c'est de créer de la polarisation circulaire. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir des polarisations circulaires droite, tourne à droite, ou gauche, tourne à gauche. Eh bien, ces animaux-là, alors j'ai un exemple ici, hop, on va faire une petite manip, j'en ai un empaillé, en résine. Je vais l'éclairer, attendez, on va faire ça, hop. Je vais l'éclairer avec de la lumière non polarisée, qu'une lumière classique, hein. Et regardez ce qui se passe ici, ce sont des lunettes que vous utilisez au cinéma, c'est des lunettes qui sont des polariseurs circulaires. Donc un œil gauche, circulaire gauche, œil droit, circulaire droit. Voilà, à travers ce premier polariseur, mon scarabée est bien brillant. À travers le second, vous voyez mon scarabée, complètement noir. Ça veut dire que la lumière qui est réfléchie par la carapace de scarabée a donné une polarisation gauche et non pas droite. Elle a vraiment, c'est un des rares objets biologiques qui crée de la polarisation par réflexion, une polarisation droite ou gauche. Alors tous ces phénomènes-là, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est assez fascinant, parce que c'est un problème qui n'est pas résolu, qu'on appelle l'homochiralité du vivant, qui est d'essayer d'expliquer pourquoi toute la biologie donne des formes. Parce que si vous prenez tous les scarabées du monde, je pense que tous les scarabées, vous voyez, ça c'est une photo qui a été prise avec toute une collection de scarabées qui présentent ces propriétés. Vous voyez, leur image dans un miroir est noire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en train d'imager ces scarabées à travers un polariseur circulaire gauche. Donc, on les voit briller. Sauf qu'à la réflexion dans un miroir, la polarisation tourne. Et donc, on éteint les images de ces scarabées. Et vous voyez qu'ils sont tous polarisés dans le même axe. Il n'y en a pas un seul qui brille à droite et pas à gauche. Et la question est, pourquoi tous les sucres de l'ADN tournent à droite ? Et pourquoi toutes les protéines tournent à gauche ? Ça, c'est un mystère de la biologie. Alors, il y a des pistes. En tout cas, ça semble éclairer l'hypothèse qui est que tout le vivant est parti d'une racine unique qui part ensuite par duplication. Tous les mécanismes de la biologie de duplication, de réplication, font qu'on a entretenu une direction et jamais l'autre. D'accord ? Donc ça, c'est assez fascinant. Autre chose fascinant qui nous a énormément excité, c'est la seiche, qui est un animal fantastique, parce que d'une part, ça fait partie de ces animaux qui voient la polarisation. Pourquoi ? Parce que dans leur rétine, en fait, elle a des capteurs qui sont sur deux axes orthogonaux, donc ça lui permet de voir un contraste de polarisation. Ça a même inspiré récemment, c'est un papier très récent, de gens qui ont essayé d'utiliser ça sous l'eau pour s'orienter par rapport au rayon du soleil. Mais encore mieux, la seiche, c'est pour le coup le seul animal qu'on pense être capable de créer avec des organes qu'on appelle des iridophores, qui sont ces petits trucs-là, une fois bien zoomés, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est des petites plaquettes là, qui, sur certaines parties des bras tentacules de la seiche, là, qui sont capables de s'orienter, et à la réflexion sur ces iridophores, la lumière prend de la polarisation. Donc c'est des animaux qui savent créer de la polarisation. Et voilà les premières images, ça c'est un public qu'on avait trouvé qui date des années 90, qui étaient les premières images en lumière polarisée d'une seiche, en contraste de polarisation, vous voyez en rouge apparaître ces signaux. Et alors là, il y a une hypothèse qu'on aime croire, c'est pas encore prouvé, mais on aime à croire que, c'est ce qu'on met un peu en scène dans l'exposition, c'est ce qui est mis en scène, c'est on aime à croire que c'est un espèce de message secret, de langage secret entre seiches qui serait capable de se causer à l'insu des autres animaux. Donc on est allé faire des captations, les images que vous voyez dans l'expo, les œuvres sont tirées de captations qu'on a faites au marinarium de Concarneau. On est allé avec une petite caméra polarimétrique filmer une seiche, et ça a donné ces œuvres-là, comme cette tapisserie. Alors je passe à une autre partie du discours, je voulais vous parler d'imagerie un petit peu, des applications de l'imagerie polarisation. Alors, un exemple de ce qu'on a pu faire à Rennes quand j'étais avec mes collègues de l'Institut Photon et avec des collègues d'Inde, on s'est posé la question d'essayer de résoudre le problème suivant qui est quand on est en situation de brouillard, on ne voit plus les balises d'une piste quand on veut atterrir.
Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'une solution pas chère, ça pourrait être d'équiper les balises de la piste avec des petits polariseurs, ça coûte rien, et d'équiper l'avion, le pilote, d'un système d'imagerie polarimétrique, qui est représenté ici. Alors là, vous reconnaissez quoi ? Vous reconnaissez une caméra au bout, et puis un cube, un truc qui ressemble à ce cristal-là, qui va être capable de couper la polarisation en deux, rayon ordinaire, extraordinaire, et de polariser à la fois. Et en faisant ça, on est capable de faire deux images qui sont acquises avec deux polarisations orthogonales, comme si on avait mis devant chacun de nos yeux des polariseurs croisés. Et en faisant la différence, en combinant ces deux images, on va pouvoir obtenir une information de polarisation. Et un petit exemple de ce que ça a pu donner, donc vous voyez ici, ça c'était la balise lumineuse, on l'avait placée au sommet de la tour de communication TDF, là, qui est à la sortie de Rennes à l'ouest, à l'est plutôt. Et voilà le genre de résultat. Alors, j'ai un petit film qui devrait se lancer. Voilà. Voilà ce qu'on a au cours du temps. Vous voyez, à gauche, c'est ce qu'on verrait à l'œil nu. Et l'image de droite, c'est le résultat du traitement optimal de polarimétrie qu'on peut faire à travers un système instantané, temps réel, et un calcul relativement simple, mais optimisé. Et vous voyez qu'on est capable de restituer la position des balises avec un très bon contraste, beaucoup mieux que si on avait tout cet environnement de brouillard. Donc ça faisait partie des applications un peu qu'on pourrait imaginer avec des gains assez significatifs en visibilité, facteur 10 au mieux, sur la visibilité de ces balises. Alors on est allé un peu plus loin, on a fait la même chose avec des imageurs couleurs, et là ça donne des choses assez rigolos. Ici vous avez un papillon, deux moitiés de papillon, un faux papillon imprimé et replacé sur un vrai papillon morpho du Brésil bleu, là. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait de l'imagerie de polarisation sur des objets comme ça, des objets pigmentés, on a un effet, si on regarde le taux de polarisation de la lumière qui revient, eh bien, on a un effet d'inversion des couleurs. Donc là, c'est l'image couleur en haut, là, c'est l'image couleur classique. Et en bas, c'est l'image du taux de polarisation encodé en couleur. Donc ça veut dire qu'ici, sur le stylo de gauche, eh bien, la lumière bleue revient très polarisée, alors que la lumière rouge est dépolarisée, on ne la voit pas sur l'image du bas. Et c'est l'inverse pour ce stylo-là. Vous voyez, la lumière est bleue, j'ai majoritairement du bleu qui revient, mais le bleu est dépolarisé, donc je ne la vois pas sur l'image du bas, et je ne vois de la polarisation que sur l'image, sur la couleur rouge, pardon. Et donc on a un effet d'inversion des couleurs assez significatif qui s'appelle l'effet Umoff, et qui vient de ces raisons-là, c'est que le rouge sur un matériau rouge rentre dans le matériau, n'est pas absorbé, donc il a le temps de se dépolariser, d'être perturbé, d'être rendu aléatoire, alors que les autres couleurs vont se réfléchir uniquement à la surface, seront très vite absorbées, et la réflexion à la surface, on l'a dit tout à l'heure, ça conserve la polarisation. J'ai oublié de préciser que dans cette expérience-là, on éclaire avec de la lumière polarisée déjà. Et si on le fait sur un vrai papillon, vous voyez la partie de droite ici, sur un vrai papillon bleu, eh bien on a beaucoup moins cet effet, on l'a presque pas. Ça vient du fait qu'ici, on met en évidence que ce n'est pas une couleur pigmentaire, ce n'est pas un effet d'absorption. Sur ces papillons-là, la couleur bleue vient d'un effet d'interférence, c'est-à-dire que la lumière se diffracte et interfère sur des structures nanométriques à la surface des ailes de papillon, pardon. Et c'est vraiment un effet d'interférence. Le bleu interfère constructivement et le rouge interfère destructivement, ce qu'on appelle des couleurs interférentielles. Voilà, alors c'est beaucoup utilisé aussi en imagerie pour la défense, puisque ça permet de décamoufler. Vous voyez ici, vous avez alors c'est des jouets, hein, mais c'est un avion métallisé. Ici, c'est un faux avion. On arrive bien à les mettre en évidence sur une image de contraste de polarisation. Ici, un autre exemple où on peut mettre en évidence un objet métallique posé au milieu d'un champ. Ici, vous voyez, derrière un filet de camouflage, on n'y voit rien, mais en polarisation, on arrive à restituer la forme du vélo. Voilà. Et puis, nous, dans l'exposition, on s'est intéressé à ça pour se poser la question de comment je donne à voir cette info de polarisation. Parce que j'acquiers une information supplémentaire. Ce n'est pas de la couleur, ce n'est pas l'intensité, c'est un truc en plus que mes yeux ne voient pas. Alors comment je peux le donner à voir, comment je peux le donner à représenter? Et la solution qui nous est venue, c'était de se dire, on va tirer sur les pixels, jouer sur la 3D. On part d'une image à deux dimensions, et là où la lumière est restée très polarisée, on tire vers le haut le pixel, on crée un paysage, on le monte vers le haut. Donc sur toutes les œuvres que vous allez voir dans l'expo, quand vous avez des sommets, là, ce sont des endroits où la lumière est restée très polarisée, alors que dans les vallées, c'est des endroits où la lumière s'est totalement dépolarisée. Voilà. Alors on peut aller beaucoup plus loin, je vais commencer à aller un peu plus vite pour parler des applications. Ici vous avez un type d'imageur classique, en fait pour faire de l'imagerie polarimétrique, bien souvent en fait
on met un détecteur, puis on met des filtres polarisants de différentes configurations, on fait plein d'images, on les combine et on obtient des infos. Alors quand on fait ça, on peut faire plein d'applis, on peut reconstituer des formes, trois dimensions, des topologies en 3D d'un objet, pas comme on l'a dit tout à l'heure, vous vous souvenez, sur mes matières, la direction de polarisation m'indique l'angle, la géométrie de l'objet. On le voit très bien ici sur la voiture, en bas, ou sur ce conteneur poubelle. On voit que la direction de l'angle me permet de reconstituer la 3D, le volume. Donc ça fait partie des applications possibles. Grosse application en imagerie biomédicale. Alors là, c'est des collègues de Paris, de Palaiso, qui font ça à Polytechnique. C'est ce qu'on appelle l'imagerie de Müller. Alors c'est je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est l'imagerie la plus complexe. On a besoin de 16 images. Mais quand on a fait les 16 images, vous voyez, ça c'est une cartographie de 16 images d'un morceau de col de l'utérus, malade en l'occurrence, et de ces 16 images, on est capable de reconstituer, c'est tout un savoir-faire, on est capable de reconstituer des cartographies de ce qu'on appelle la retardance, la diatténuation et la dépolarisation, peu importe ce que c'est. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est capable, vous voyez, par rapport à un morceau de col sain et un morceau malade, on est capable de très nettement les mettre en évidence grâce à des contrastes de polarisation. Et l'ambition, c'est un jour d'aller le faire ça dans le corps humain, en endoscopie, en passant par des fibres. Ça, c'est encore un défi à mener. D'autres exemples, maintenant en microscopie cellulaire, beaucoup plus, on rentre plus dans le détail dans la cellule. On peut aller faire des choses extrêmement belles. Là, à Fresnel, dans une équipe, c'est pas mon équipe, mais c'est une équipe de microscopie avancée, ils sont capables maintenant d'aller imager sur des molécules uniques l'orientation des molécules grâce à la polarisation. Dans des fibrilles toutes petites, là, on est vraiment à des dimensions nanométriques quasiment. On est capable d'imager des molécules uniques et leur direction. Voilà, d'autres très belles images, quand ça c'est fait aux États-Unis. Là aussi, on est capable de. Vous voyez, ça, c'est un cerveau de mouche très agrandi, hein, c'est de la microscopie. On est capable d'aller vraiment voir les fibres nerveuses et mesurer ses orientations. Le fait que la polarisation, vous vous rappelez, c'est vraiment très ordonné, ça dépend de l'angle, de la direction de vibration, ben ça va me donner des infos sur l'organisation de la matière. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, ça, j'ai pas le temps, c'est ce qu'on faisait à Rennes, mais on en parlera dans les questions si vous le souhaitez. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler des applications les plus modernes, et parce qu'il y a plein de trucs chouettes aussi. Alors, en deux mots, alors, une petite révolution depuis quelques années sur l'imagerie de polarisation, c'est des nouveaux capteurs, où maintenant on est capable de créer, vous voyez, devant un capteur standard, comme il y a sur tous les téléphones ou tous les appareils photo, on est capable, devant chaque pixel, de faire pousser, de construire une petite grille de polariseur. C'est comme si, devant chaque pixel, vous étiez capable de mettre un petit polariseur de ce genre-là. Alors, ce n'est pas tout à fait la même technologie. Ils sont gravés, oui, c'est des nanostructures. Et on les oriente selon quatre directions, verticale, horizontale, diagonale comme ça. Et avec ces quatre directions, sur chaque groupe de quatre pixels, on a les quatre directions. Et en reconstituant, en utilisant ces groupes de 4 pixels, on peut reconstituer une image de polarisation vraiment, là, cette fois-ci, instantanée, sans avoir besoin de tourner des filtres, comme on l'a vu avant. On peut même le faire en couleur, et c'est ce genre de caméra qu'on a embarqué à Concarneau. Là, vous voyez l'aquarium et Fred qui est en train de causer à la sèche. Là. La petite caméra, elle est là. Vous voyez, c'est très compact. On fait des petites caméras maintenant capables de mesurer ça. Bon, ça, je vais passer, j'ai pas le temps, mais c'est des technos un peu plus avancés sur ce principe-là. Et je voulais vous parler un peu d'astronomie. Alors ça c'est ancien, c'est pas des applications modernes, mais très vite, ça c'est que je dis pas de bêtises, j'ai un trou. En tout cas, comment il s'appelait ? Peu importe. Bon, c'est un astronome français qui, dès le début, qu'on s'est créé des lunettes, enfin des prismes polarisants, et bien met ça dans une lunette et commence à observer la Lune. Et il observe que sur un océan lunaire ou sur un continent lunaire, on n'a pas la même évolution de la polarisation. Et dans ce qui, voilà, on sent que pour regarder des objets célestes, ça peut être intéressant. C'est très utilisé maintenant aussi en imagerie satellitaire. Donc ça, c'est l'instrument Polder, c'est un instrument parasol, pardon, qui est sur le satellite Polder 3. Qui est un satellite d'observation de l'atmosphère et qui est muni de capteurs polarimétriques. Et grâce à ça, on est capable de venir imager, vous voyez ici, des contrastes de polarisation sur la haute atmosphère, et ça permet de mesurer des propriétés assez fines sur les aérosols. Qu'est-ce qu'on appelle les aérosols ? C'est des toutes petites particules de taille microscopique, voire en dessous,
qui sont dans la haute atmosphère. Et en faisant ces cartographies, bah, ça donne des renseignements sur les pollutions, etc. Et donc, ce genre d'instrument est pas mal utilisé en astronomie, en observation terrestre. Autre grand domaine d'application, bah, c'est ce qu'on appelle la spectropolarimétrie stellaire, c'est-à-dire que là, on embarque donc, dans des instruments de ce genre-là, on est capable de venir imager, ou en tout cas mesurer, sur plein de canaux spectraux, sur toutes les longueurs d'onde, on image sur deux directions de polarisation croisées, les raies spectrales d'une étoile. Alors à gauche, vous avez une image du Soleil, prise avec un instrument de la NASA, et on voit ici, quand vous la partie en noir et blanc, on voit que sur les éruptions des taches solaires, vous avez des zones blanches et noires qui correspondent à des contrastes de polarisation circulaire droit et gauche. Alors ça vient d'un effet magnétique. Il y a des forts, très très forts champs magnétiques aux endroits de ces éruptions solaires, et le champ magnétique a un effet sur les lignes spectrales, ce qu'on appelle l'effet Zeeman, qui fait qu'on peut les observer. Et donc, en allant observer le spectre des étoiles, on a leur composition gazeuse, et en observant la polarisation, on a une information sur leur activité magnétique. Tout ça à distance. Alors, des applications encore plus folles, ça c'est des collègues de l'université de Leiden en Hollande, qui, les premières observations sur des nébuleuses, ça c'est la nébuleuse du crabe, observée par Oort dès les années 56 en polarisation. Il avait vu une petite polarisation là-dedans, alors maintenant ça ressemble à ça avec Hubble. Mais maintenant on est capable d'aller regarder des contrastes de polarisation sur des jeunes étoiles. Et là on voit que le disque de formation, le disque d'accrétion autour de l'étoile, eh bien, est très polarisé. Pourquoi ? C'est ce qui était illustré ici, c'est que la lumière, quand elle arrive sur des poussières en accrétion autour d'une étoile, vont être diffusées, et la diffusion a tendance à polariser. Et donc ça permet de renseigner sur les propriétés de ces disques proto-circumstellaires. Et ça, alors ça a été fait par l'équipe de Leiden, c'est la première image, alors là c'est pas encore ça, mais ça va être la première image en polarisation d'une exoplanète. Ça c'est une petite exoplanète, alors si je trouve mon pointeur, petite exoplanète voisine d'une très grosse étoile, là. Et ils ont été capables de mesurer, vous voyez, là, pour la première fois, en polarisation. Et donc ça les renseigne sur, pareil, la façon dont la planète va diffuser la lumière de l'étoile voisine. Alors ils sont encore plus fous dans ce labo-là, ils essayent, je vous ai parlé de l'homochiralité du vivant tout à l'heure, alors ils ont pour projet d'aller mettre des instruments dans l'espace, en orbite, pour aller regarder les exoplanètes, et essayer d'aller voir dans les lignes spectrales, qui intéressent la végétation, ils vont essayer d'aller regarder des traces d'un contraste de polarisation. Pourquoi ? Parce qu'ils espèrent peut-être voir sur une autre exoplanète, sur une autre planète que nous, aller voir cette histoire d'homochiralité. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu du vivant qui aurait aussi fait que toutes les protéines... s'il y a des protéines là-bas, toutes les protéines tournent à droite ou à gauche. Ça peut être une des signatures fondamentales de la vie quelque part. Et ils ont fait une expérience, vous voyez ici, sur une feuille vivante qui meurt de plus en plus, et on voit qu'au bout de 22 jours, il n'y a plus de contraste polarimétrique, tandis qu'au premier jour, dès que la feuille est encore vivante, vous voyez, sur cette bande spectrale de la végétation, on a un contraste. Et donc ils ont observé en labo, on n'est pas sur des exoplanètes, mais en labo, ça marche, ils ont pour ambition de le faire ça dans l'espace bientôt. Autre, alors ça je ne vais pas m'étendre dessus, vous avez dans 15 jours un collègue du CEA, David Elbaz, monsieur Elbaz, là, qui viendra vous parler de l'histoire de l'univers vu par la lumière, lu par la lumière si on veut, il vous parlera très certainement de ça, c'est le fond diffus cosmologique vu par le satellite Planck, et en fait dans ce fond diffus cosmologique, donc ce n'est pas de l'optique, on est sur des rayonnements micro-ondes, et en fait, on a des traces de polarisation, on a des contrastes de polarisation, et ça excite énormément les astrophysiciens, puisque là-dedans se cachent un petit peu des infos, les seuls indices qu'on pourrait avoir sur les phases d'accroissement de l'univers dans la zone où il n'était pas observable, puisqu'il n'y avait pas encore les photons n'étaient pas libres, on ne pouvait pas les observer. Donc, on est à la limite de l'observation possible, et c'est peut-être dans la polarisation de ce fond diffus cosmologique que se cacheraient des infos sur... cette structuration primordiale de l'univers. Voilà. Alors, en deux mots, autre énorme application de la polarisation, ça va être les télécommunications optiques. Alors, les fibres optiques, les câbles à fibres optiques transatlantiques, transocéaniques, il y en a
quelques centaines, c'est pas énorme, mais à chaque fois, c'est quand même des installations monstrueusement lourdes. C'est-à-dire que voilà, ce genre de câble, là, au milieu, vous avez la petite fibre optique où passe l'information, la lumière. Autour, il faut plein de trucs pour le rendre solide. Il faut des bateaux pour les dérouler. Il faut des répéteurs pour répéter l'information tous les 50 km. Enfin, c'est monstrueux, donc ça ne se fait pas comme ça de déployer un câble. Mais c'est grâce à ça qu'on a Internet haut débit transcontinental. Et là-dedans, bah, y a des fibres, et certaines fibres peuvent être polarisantes, c'est-à-dire conserver la polarisation. Alors, juste pour la petite histoire, il y en a de ce type-là. Il y a des petits barreaux solides là, qui contraignent le cœur de la fibre. La lumière passe au milieu, là. Et en fait, on appelle ça des fibres panda, parce que voilà, ça a un peu tête de panda. Et celle-là, on appelle ça des fibres bowtie, nœud papillon, parce que voilà, là, pareil, on a des barreaux de contrainte en forme de nœud papillon. Et ça, ce genre de fibre peut, si on injecte bien la lumière sur la bonne polarisation, bah, elle est propagée, la polarisation se conserve. Et c'est ce qu'il faut pour attaquer ce genre de composants. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des composants qui permettent d'aller faire de la modulation optique très très haut débit. Donc les records de modulation optique, basés sur des effets avec des objets anisotropes dont on parle depuis le début, là, les records actuellement, c'est de l'ordre de 100 gigabits seconde, donc 100 milliards de 0 et de 1 par seconde encodés sur une fibre. Et pour finir, parce que je déborde, pour finir, une autre application moderne de la polarisation, bah c'est l'optique quantique. Hein. Julien Bobrov en a parlé il y a 15 jours. On peut encoder sur de l'optique et sur la polarisation, on peut encoder les fameux qubits dont il a parlé il y a 15 jours. C'est quoi des qubits? Bah c'est des éléments d'information qui sont pas des 0, pas des 1. Vous savez que les bits de corps, les bits normaux qui permettent d'encoder l'information sur nos ordinateurs, c'est des 0 ou des 1. Alors la révolution quantique de l'informatique quantique, ça serait de manipuler des qubits qui sont à la fois des 0 et des 1, qui sont dans un état intermédiaire entre les deux, un état de superposition d'état, on appelle ça. Et bien ça, en optique, c'est... Alors je ne vais pas dire que c'est facile à faire, mais on peut utiliser la polarisation pour le faire. Puisque vous voyez, quand j'envoie un photon non polarisé sur ce qu'on appelle un beam splitter, un objet qui va couper mon faisceau en deux, bah, tant que je n'ai pas détecté où est passé mon photon, s'il est passé à droite ou à gauche, ben, je peux considérer qu'il est en superposition d'état. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir faire des tas de... C'est assez facile à manipuler, la polarisation, je vous ai montré qu'on sait la manipuler. Eh bien, on peut manipuler des qubits assez facilement. Bon, ça, je vais passer. C'est des protocoles de communication, de cryptographie quantique qui sont basés sur de la manipulation. Là, ce n'est pas des qubits, c'est des bits normaux, mais on a besoin de ressources quantiques à photons uniques. Et on peut, en utilisant des photons uniques encodés en polarisation, on peut faire des protocoles de cryptographie, enfin de partage de clés secrètes sécurisées. Et peut-être encore plus fascinant, donc c'est ça, c'est la création d'états intriqués. Donc on a des objets qui sont en superposition d'états et intriqués. Donc on en a parlé aussi il y a 15 jours. Donc ça se fait dans des cristaux particuliers qui sont aussi anisotropes, qui sont non linéaires. On envoie un faisceau laser un peu intense, et là-dedans, vous voyez, ça crée deux cônes de lumière, et à l'intersection des deux cônes de lumière, dans les deux points verts, là, vous avez la création de ce genre d'état. Donc si c'est les fameux états jumeaux, là, on crée en fait des paires de photons intriqués qui vont vivre leur vie de façon couplée. Alors, je ne vais pas dire indépendamment, parce que j'aime pas cette image. On va vraiment avoir intriqué les deux photons, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment deux particules indépendantes, on a un objet quantique qui englobe les deux particules. Alors, une façon de le représenter, c'est ça, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas de moi, mais vous voyez une espèce de glue là, qui va lier les deux photons entre eux. Et donc on a créé des objets quantiques très particuliers. Et ça, c'est un des tout derniers résultats qui a été obtenu à Glasgow, notamment par un collègue, donc Hugo Defienne, qui est français, qui fait de très belles choses là-bas. Ils ont réussi, grâce à ce genre de source de photons intriquées, ils ont réussi à faire de l'holographie. Vous savez que l'holographie, ça permet d'enregistrer des objets en 3D, mais il faut pour ça faire interférer un faisceau de lumière de référence avec un faisceau qui est passé par l'objet. Et là, ils arrivent à enregistrer un hologramme sans avoir besoin de faire interférer la lumière de référence avec la lumière qui est passée dans l'objet en se basant sur des ressources quantiques. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails, mais c'est des résultats très récents d'optique quantique et d'imagerie à base d'optique quantique et de photons et de polarisation. Voilà, donc j'arrive au bout, je déborde déjà beaucoup. Tout ça pour vous dire que c'est passionnant, vous voyez que ça rejoint vraiment plein de domaines de la physique et de la biologie. Et donc, tout ce qui relie, c'est le slide que je mets au début de mon cours, mais je vous l'ai mis à la fin, voilà. Ce qui relie tous ces phénomènes, c'est cette histoire de polarisation. On aurait aussi le temps de parler de l'imagerie radar. Hein, dans le radar, c'est d'autres domaines de longueur d'onde, mais il y a aussi
les effets polarimétriques. Il y a une équipe à l'IETR à Rennes qui sont spécialistes du traitement de signal radar polarimétrique. Et voilà, bon, je termine par remercier les tutelles dont j'ai fait partie et dont je fais partie maintenant, et notamment Rennes 1 pour nous avoir permis de faire cette résidence d'artiste. J'ai mis une toute petite vue du making-of. On va quand même honorer notre chère sèche qu'on a été embêté pendant 3 jours à Concarneau. Et voilà, donc ça a été passionnant de bricoler dans les caves du labo, de faire des trucs plus ou moins enfin, fous. En tout cas, on s'est bien amusé et j'espère que l'expo vous plaira. Avant de terminer, je voudrais juste faire un petit coup de pub puisque je reviens encore dans quelques mois, juste avant la fin de l'expo. On va faire au diapason à l'Université de Rennes une soirée art et sciences. L'idée, ça sera cette fois-ci, non pas de faire un cours de physique comme là, mais de faire un débat, une discussion avec Fred et Flavien et Thomas sur l'interaction, comment s'est passée cette résidence d'artiste, cette co-création ensemble à la frontière des arts et de la science. Et ça sera suivi par un grand moment qui sera la performance sonore, le concert de Thomas Poli qui va nous jouer sa composition pour l'exposition au diapason, avec aussi une performance visuelle de Fred et Flavien. Et donc ça sera le 15 février, je vous invite à venir aussi, ça sera autre chose, mais à mon avis très intéressant aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup, et j'espère que vous avez des questions. Merci Julien. Enfin, vous avez vraiment bossé pour faire cette conférence entre Manip et le PowerPoint. Merci beaucoup. Alors, il y a 300 spectateurs qui nous ont rejoints là au cours de la soirée sur YouTube. Je vais vous donner la parole si vous avez des questions. Je vais vous poser une question qui, parce que je la trouve rigolote sur YouTube. Est-ce que votre chemise est capable de polariser la lumière? Alors non, mais je rêve d'une chemise qui ferait ça. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une collection de chemises un peu particulière. Non, par contre, avec des lunettes rouges et bleues, ça donne quelque chose d'assez troublant. Ouais. D'accord. Voilà. Et puis, je vous donne la parole à vous, bien sûr, maintenant, parce que vous avez certainement des questions à poser à notre conférencier. André, bien sûr, il a déjà préparé sa question avant de venir. Et puis, peut-être d'autres. Vous nous faites signe et on vous donne le micro. Hein. Il y en a aussi pas mal sur Internet et on retrouve des habitués. Je salue Fanny et son petit garçon, enfin son petit garçon qui devient grand maintenant, mais qui est un fan de tout ce qui est scientifique. Ils habitent Saint-Malo, alors de temps en temps ils viennent ici quand il n'y a pas école le lendemain, mais ce n'est pas le cas cette semaine. Elle pose des questions tout à l'heure, je prendrai une de ces questions. André, la question d'André. Quelles seraient les applications en codage? Vous parliez de coder des messages avec des effets de polarisation différents pour essayer d'avoir des codages ultra secrets pour envoyer les messages éventuellement. Alors bah oui, on peut se dire que c'est une façon d'encoder la lumière de façon discrète. Hein, c'est ce qu'on se dit, c'est ce que font peut-être les sèches. Elles encodent un message discret. On n'a pas dit secret parce qu'effectivement, si j'ai un filtre polarisant, je vais pouvoir le révéler. Mais effectivement, il faut savoir, il faut être au courant qu'il y a un message qui se cache dans la polarisation. Donc on pourrait imaginer avoir une communication discrète qui se révélerait uniquement avec le récepteur qui a un mécanisme d'analyse de polarisation. Bon, malheureusement, je pense que c'est un système d'encodage un peu trop facile à déjouer. Alors, en l'occurrence, j'ai mentionné des applications défense, de décamouflage. On essaye de voir des objets dissimulés et on les révèle par ce contraste de polarisation. Donc, c'est plutôt comme ça que c'est utilisé en tentative de décamoufler. Et ça excite pas mal les gens des agences de défense parce que si on était capable, ce qui est très dur à faire, c'est reproduire une signature spectrale, c'est-à-dire la réponse d'un objet, d'un matériau en spectral pour mimer une végétation. Mais on sait le faire. On sait faire des peintures sur un tank. On sait même faire des peintures qui non seulement sont vertes, mais qui ressemblent à la signature spectrale de la végétation. Mais ce qui est beaucoup plus dur à faire, probablement, c'est de faire des peintures
non seulement spectrales, mais aussi qui vont reproduire la polarisation. Voilà. Parce que le métal, tout ce qui va être objet manufacturé, objet métallisé, va avoir tendance à polariser. Donc c'est pour ça que c'est utilisé pas mal en décamouflage. Alors après, d'autres applications, j'ai parlé à la fin très vite, mais c'est de la cryptographie quantique. Alors c'est pas tout à fait de la cryptographie, c'est du partage de clés secrètes par des ressources quantiques. Et peut-être pas la plupart, mais une bonne partie des technologies qui servent à faire ça, c'est basé sur de l'optique, et notamment on encode en polarisation. Alors est-ce qu'il y a un lien entre la polarisation et les aurores boréales ? Ah, bonne question, je ne sais pas. C'est probable, mais je ne suis pas certain. Bon, tu étudieras la question une autre fois. Une autre question que je prends sur Internet. Le fait que les carapaces des scarabées influencent la polarisation jouent-ils un rôle dans le camouflage des scarabées ? Je ne pense pas que ça joue un rôle dans leur camouflage. On ne sait pas bien pourquoi ils ont cette propriété-là, mais ça reste en débat. Mais c'est assez fascinant. Voilà. Moi, ce que je trouve le plus fascinant dans tout ça, c'est ce que j'ai dit, c'est cette homochiralité. A priori, tous les scarabées vont tous polariser la lumière dans un sens et pas dans l'autre. Ça, c'est assez dingue. Pas de questions dans la salle ? Si, on vient vers vous, madame. En attendant, je pose la question du petit Oscar, du petit Oscar qui devient grand. Je ne sais plus quel âge il a, j'ose pas trop dire, parce que ça va le vexer si je le rajeunis ou si je le vieillis. Il demande quel est le rôle de la polarisation dans le fait que les arcs-en-ciel soient doubles, voire plus. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un rôle. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la lumière qui se réfracte, c'est possible. Qui se réfracte deux fois dans la goutte pour créer l'arc-en-ciel primaire, acquiert une polarisation. Dans l'arc-en-ciel secondaire, elle se réfracte trois fois. Enfin, elle se réfracte deux fois, pardon, elle se réfléchit deux fois. Je pense que de la même façon, très probablement, elle est polarisée de la même façon que ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Madame, vous avez le micro, je vous en prie. Il se trouve que dans le nouveau numéro de Pour la Science, il y a un article sur la migration des oiseaux, sur le repérage des oiseaux migrateurs. Bon, et on fait appel à deux notions que j'ai du mal à comprendre et à séparer. C'est le magnétisme et la polarisation. Quand vous parlez de la polarisation, vous parlez bien de phénomènes électromagnétiques, c'est-à-dire de deux champs, et l'un de ces champs concerne le magnétisme. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à mieux m'y retrouver là-dedans ? Oui, c'est une très bonne question, et c'est pas facile à comprendre et pas facile à répondre non plus. Alors déjà, j'ai pas lu cet article, donc je peux pas forcément en parler sur la question des oiseaux. D'abord répondre là-dessus. Sur la question des oiseaux, quand on a exploré les pistes de lien avec la biologie, on a rencontré pas mal de références qui citaient que certains oiseaux seraient capables de voir la polarisation de la lumière dans le ciel et s'en servir pour se guider. Ça, à notre connaissance, c'est pas tout à fait prouvé, c'est même plutôt remis en cause. Il semblerait que, en tout cas de ce que je suis capable d'en dire, je suis pas biologiste des oiseaux, il semblerait que ce n'est pas prouvé. Alors la question que vous amenez est différente. Donc, quelle est la différence entre le magnétisme terrestre, les lignes de champ magnétique qui vont entourer notre Terre, et la différence entre une onde électromagnétique ? Alors le problème, c'est que c'est le même mot qui désigne pas tout à fait la même chose. Pourtant, c'est à la fois on parle bien de champ magnétique. Donc, le distinguo est assez subtil. Quand je vais avoir rayonnement d'une onde, donc rayonnement, ça veut dire propagation de quelque chose, d'un photon. Alors ça peut être un photon de lumière visible, ça peut être un photon de lumière rayons X, ça peut être un photon de lumière radiofréquence. Dès que j'ai propagation, émission de quelque chose, ça va être forcément un couple de champs E et B. D'accord ? La particule qui porte le rayonnement, c'est le photon. Quand on adopte une vision physique des particules, le photon, c'est ce couple champs E et B. D'accord ? Maintenant, je vous l'ai dit, on ne peut pas couper un photon. On ne peut pas prendre un photon, lui arracher son champ E et garder que le champ B. Ça n'existe pas. On détruit le photon, il n'y a plus de champ électromagnétique. En revanche, il peut y avoir des phénomènes qui créent du champ électrique tout seul. Si je prends
ce que j'ai pris tout à l'heure, mes petites électrodes, j'ai appliqué ma tension, je vais créer un champ électrique tout seul. Mais là, il n'y a pas de propagation. J'ai un champ statique qui se crée entre deux électrodes. Et le champ magnétique, c'est ce qui va se créer autour d'un petit aimant. La Terre, on peut voir ça comme un gros aimant. Ce champ électrique va me créer des lignes de champ. Cet aimant, ce dipôle magnétique, va me créer des lignes de champ magnétiques. Mais il n'y a pas à nouveau d'effet de propagation. Vous voyez, c'est ça la petite subtilité. Ce n'est pas facile à distinguer. Il faut les deux pour qu'il y ait propagation. Et tout ce que j'ai raconté, notamment la polarisation, c'est sur des ondes qui se propagent. Donc ça sera, tout ce que j'ai raconté, c'est sur des champs E et B couplés. Mais vous avez raison qu'en polarisation, on a très vite tendance à oublier le champ B. Après, je vous ai parlé, le champ E est comme ça, le champ E est comme ça, et on ne parle plus du champ B. C'est une convention en physique de définir la polarisation comme la direction et la trajectoire du champ E. Mais en fait, il y a aussi un champ B qu'on met sous le tapis. En fait, j'ai mis sous le tapis, à part pour mon premier slide, je vous ai dit qu'il y avait un champ E et un champ B, et après, je l'ai mis sous le tapis comme tout le monde fait. Mais j'aurais peut-être dû insister là-dessus, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait clair. C'est d'abord pour vous remercier. Merci. Pour la réponse aussi. Et qu'est-ce que c'est que précisément les pixels? Alors, qu'est-ce qu'on appelle un pixel? C'est l'élément élémentaire, c'est le point élémentaire qui va permettre de créer une image. Là, moi, j'ai un écran devant moi. Chaque point de l'écran, quand vous allez zoomer... Vous pouvez le faire très facilement en mettant une toute petite goutte d'eau. Vous avez peut-être déjà vu ça sur un écran de smartphone. Mettez une toute petite éclat d'eau, et sur la goutte, ça va faire un effet de loupe, un effet de lentille optique, et vous allez tout de suite voir des points lumineux apparaître, rouge, vert, bleu. En fait, pour créer une image couleur, on a des groupes de 4 pixels, deux verts, un rouge, un bleu, et ces groupes de 4 pixels qu'on allume plus ou moins avec les effets que j'ai montrés vont permettre de créer une couleur. Une transmission, une intensité lumineuse et une couleur. Donc le pixel, c'est le point élémentaire. Comme sur la tapisserie, vous avez peut-être vu l'exposition, il y a une tapisserie au point d'Aubusson. Donc le pixel, c'est le point élémentaire d'une broderie, si vous voulez. Non, attendez, ne parlez pas comme ça, parce que ça passe pas dans l'enregistrement. Dans votre démonstration, quand vous montrez le petit pixel, le petit carré, c'est symbolique. Alors, c'est pas un vrai pixel, c'est un énorme pixel, si vous voulez. C'est un pixel géant. Dans un écran, c'est la même chose, mais de taille micrométrique. Oui, voilà. Merci. Est-ce que ça a à voir aussi avec cette question, mes lunettes de soleil polarisées m'empêchent de voir l'écran de certains téléphones et pas d'autres? Oui. C'est lié à la technologie de l'écran? Alors oui, c'est lié à la technologie de l'écran. Je crois qu'effectivement, il y a certaines marques fruitières avec un symbole en fruit. Là, je crois que la polarisation qu'ils émettent est circulaire. Justement pour éviter qu'avec des lunettes polarisantes, selon comment on tourne son smartphone ou sa tablette, on éteigne le signal. Mais moi aussi, j'ai des lunettes polarisantes et ça arrive aux stations-service, sur les afficheurs à cristaux liquides des stations-service. On met ses lunettes et puis on dit mais elle marche pas. Si, en fait, il faut enlever les lunettes parce qu'on est justement polarisé dans le mauvais sens. Ah, oui. Alors les petits écrans, c'est polarisé à 45 degrés comme celui que j'avais là. Ouais. La polarisation est oblique. Et sur les grandes télés de grande taille, c'est des polariseurs verticaux. Je sais pas pourquoi. Vous avez expliqué au fait votre écran particulier. Ah oui, j'ai oublié là. De le dire. Mais oui. Alors cet écran, pourquoi je diffuse une image mais vous la voyez pas, parce qu'en fait c'est un écran modifié que m'a modifié Flavien. Donc Flavien est spécialiste de ça. Dans l'exposition, vous allez voir plusieurs écrans trafiqués. C'est des écrans télé dans lesquels on a enlevé la couche externe, le polariseur externe qui permet de révéler l'image. Donc on a, dans un écran, on a une source de lumière, un polariseur qui fixe un axe de polarisation, puis la dalle avec tous les petits pixels de cristaux liquides qui vont permettre de contrôler la polarisation en sortie. Et puis il faut rajouter un polariseur pour révéler l'image, révéler la transparence, parce que mes yeux ne sont pas sensibles à la polarisation. Donc ce que vous voyez filmé par le haut quand c'était tout blanc, c'est qu'en fait, il y a bien une image qui est diffusée, mais nos yeux et la caméra n'est pas capable de le voir. Il faut que je mette mon polariseur par-dessus pour révéler l'image. Voilà, c'était bien de le dire quand même. Oui. Hein. Alors, le feu de l'action, j'ai oublié. Au passage, je vous le dis, hein. Oscar, il a 10 ans.
C'est un fan de physique, c'est incroyable, de science. Ce gamin est absolument incroyable. Bon, et si la lumière est réfléchie, me demande Boubacar Diallo, est-ce que sa longueur d'onde varie ? Non. Alors, dans tout ce que j'ai parlé, on reste dans le domaine de l'optique linéaire, c'est-à-dire tous les phénomènes, la longueur d'onde ne change pas. Alors, pour être tout à fait précis, la longueur d'onde peut changer quand on passe dans un milieu plus réfringent, où la vitesse de la lumière diminue et la longueur d'onde aussi se contracte. En fait, ce qui compte, mais la couleur ne change pas. En fait, quand on dit que la couleur est liée à la longueur d'onde, c'est la longueur d'onde dans le vide. On fait toujours référence à la longueur d'onde dans le vide. Et ça, là, n'a pas de raison de changer, que ce soit un effet de polarisation ou un effet de réflexion ou quoi que ce soit. Je voyais autre chose. Ah oui, le nom que vous cherchiez tout à l'heure, c'était pas Arago ? Si, c'est ça. Ah, eh ben, bravo Fanny, merci. Polarimètre d'Arago. C'est elle qui. En plus, on l'a utilisé dans la, ce polarimètre. Et on y a un exemplaire de ce polarimètre dans les collections universitaires de l'Université de Rennes 1, collection d'instruments anciens qu'on a mis en valeur dans une des pièces de l'exposition. Il y a eu un tournage sur ces instruments anciens qui étaient destinés à observer de la polarisation et mis en scène au milieu d'oiseaux, justement, puisqu'il y avait cette conjecture que les oiseaux seraient capables de voir la polarisation. Pas de questions dans la salle ? Vous êtes fort, vous savez tout. Si, il y a une question qui arrive derrière, on vous passe le micro. Voilà, merci. Bonjour, merci pour la conférence. J'avais une question quand vous avez parlé des exoplanètes et de leur possible détection avec la polarisation. Est-ce qu'il y a une certaine limite si on détecte très peu de lumière, est-ce qu'on peut quand même voir la polarisation de la lumière détectée ou il y a une limite avec la distance ou quelque chose comme ça ? J'y suis passé extrêmement vite et c'est extrêmement dur de faire ce qu'ils ont fait. Donc cette équipe à Leiden est spécialisée justement dans ce qu'on appelle des coronographes stellaires. Vous savez, un coronographe pour voir le Soleil, c'est un dispositif qui permet de masquer la majorité du Soleil et de regarder la couronne. Et en fait, pour observer des exoplanètes, une des solutions, c'est ça aussi. C'est d'être capable de masquer la lumière qui provient de l'étoile centrale. Enfin, l'étoile centrale. Et ça, c'est très dur à faire. Et notamment, cette équipe de Leiden a proposé des dispositifs à base de lames polarisantes, des effets de polarisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont capables de créer des coronographes pour exoplanètes à base de polarisation. Ils arrivent à éteindre très très fortement, à atténuer très fortement le signal de l'étoile centrale. Et ce faisant, ils arrivent à révéler l'étoile satellite, la planète, pardon, c'était l'exoplanète, et à avoir suffisamment de contraste, de dynamique pour mesurer la polarisation. Mais ce n'est pas du tout facile. C'est pour ça que ça, 2021, pour la première détection en polarisation d'une exoplanète. Plus de questions ? Alors, je vais encore en prendre une ici. L'antimatière polarise-t-elle dans le sens inverse de la matière ? Alors là, je ne m'avancerai pas là-dessus. Il est trop tard pour répondre à ça. Je n'en sais rien. Trop compliqué. Bon, eh ben, je crois que c'est tout. Alors, on va en rester là. André, il viendra poser sa question. Il en a encore une autre à poser. Voilà, il viendra la poser directement à Julien tout à l'heure. Ben voilà, merci. Merci vraiment, Julien. Merci à vous. Julien Fad, parce que c'est un sujet pas facile non plus à traiter. Merci à vous pour cette belle conférence. Et puis merci à toute l'équipe, hein, à Flavien Théry, à Fred Murry et à Thomas Poli. Et vraiment, allez voir cette belle exposition qui est donc dans la salle Anita Conti. Profitez-en pour venir voir la belle exposition sur le magnétisme aussi, puisque ça a aussi à voir et qui est en place à l'espace des sciences dans notre salle. Eureka, voilà. Et puis merci à toute l'équipe parce que voilà, il y avait tout un travail de préparation à faire. Merci à l'équipe qui est la régie des champs libres. Et puis merci à notre équipe vidéo qui est cachée quelque part et qui vous permet aussi de revoir ces conférences. Hein, je vous rappelle, on en a plus de 350 maintenant dans la collection des mardis de l'Espace des Sciences sur le site de l'Espace des Sciences ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bonsoir, merci, rentrez bien et à la semaine prochaine.